Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons entamer la troisième table ronde de cette superbe journée. Encore une fois, vraiment, c'est très, extrêmement réconfortant. Cette table ronde, donc, qui est censée aller de 16h à 17h30, on va adapter les horaires, donc, va être présidée par Agnès Piquel, qui est donc la présidente de l'une des trois associations qui ont organisé ce colloque. Elle est la présidente de la Société des études camusiennes. Elle va donc présider cette table ronde qui a pour titre, vous avez le programme sous les yeux, « Les libéraux face à la montée des périls ». Vous vous rappelez qu'on a donc divisé la période coloniale en trois phases, et notamment on parle maintenant de l'après-deuxième guerre mondiale jusqu'à l'indépendance. Alors je vais laisser donc la parole immédiatement à Agnès Piquel pour vous présenter la table ronde, vous présenter les intervenants. Ensuite, chacun des trois intervenants qui sont autour de cette table pourront intervenir. Alors, j'ose plus dire 15 minutes seulement, mais si vous pouvez respecter, je vais redevenir gendarme. Merci. Agnès. Merci. Il arrive. Elle dit merci pour le... Pour le son. Ouais. Merci pour le son. Mais tu peux nous dire merci à nous aussi. Alors, justement, il le demande, alors, et c'était prévu. Je voulais d'abord remercier Georges Morin et Michel Chevalier de m'avoir associé à la préparation de cette journée. Et je voudrais aussi remercier Yvette Langrand pour le rôle qu'elle a joué dans cette affaire. Les libéraux face à la montée des périls, les dates ont été rappelées. Je voudrais quand même souligner que la date initiale, 1945, marque, on l'a dit plusieurs fois, la blessure inguérissable de la répression féroce dans le Constantinois, alors même qu'en même temps, au même moment, la France célèbre sa libération à laquelle les troupes venues d'Algérie ont participé. 1954, la manifestation éclatante de la montée du sentiment nationaliste à travers le début des événements à la Toussaint 54, la guerre, le cessez-le-feu, l'indépendance de l'Algérie en 1962, c'est cette période que nous allons essayer de balayer ensemble. Les libéraux sont sur la défensive. Car cette montée des périls, c'est la mise en menace de plus en plus évidente de ce qu'ils avaient espéré. C'est-à-dire, avec la fin de l'iniquité coloniale, une coexistence juste et pacifique des deux communautés. Beaucoup prennent conscience qu'il n'est plus temps de parler d'intégration des musulmans, tant sont nombreuses, on l'a dit et redit, les chances manquées par la France en Algérie. Jusque-là, ils avaient pu se déterminer par rapport à des espoirs ou à des projets. Désormais, ils sont acculés à répondre avec leurs faibles moyens à la montée de la violence, celle de l'administration coloniale et des colons, celle de l'État français, celle des indépendantistes. Ils sont acculés à tenter d'empêcher l'irréparable, à savoir des haines telles entre les deux communautés qu'elles empêcheraient tout dialogue sur l'avenir de l'Algérie. Le premier qui prendra la parole, Cyril Duchemin, auteur de deux mémoires sur les libéraux d'Algérie, dans le cadre de ses études à l'Institut d'études politiques de Grenoble, parlera de la diversité des libéraux et de leurs points de convergence. Et là, on prendra libéraux de cette période-là. Arabes ou européens, ces libéraux projettent encore une Algérie plurielle, suivant des modalités différentes selon les cas. Des faits sur lesquels il sera très amplement revenu, des élus du Second Collège font début 55 une demande très officielle d'intégration, farouchement combattu par des élus du premier collège et non appliqué. Jean-Philippe Ouldaoudia parlera de ses élus du second collège pendant la guerre d'Algérie. Fils d'un des dirigeants des centres sociaux assassinés par l'OAS le 15 mars 1962, il a écrit un ouvrage sur son grand-père qui était l'un des élus du second collège. La possibilité d'une Algérie plurielle, c'est ce dont est encore persuadé le petit groupe européen et musulman qui prépare dès l'automne 55 l'appel pour une trêve civile. En même temps, les libéraux dénoncent tout ce qui va dans le sens de l'aggravation. On verra comment les élus du Second Collège tentent des démarches auprès de Jacques Soustelle et d'Edgar Faure pour dénoncer la répression. Des libéraux européens de toutes sortes tentent d'empêcher la guerre. Et José-Alain Fralon, journaliste, parlera du maire d'Alger, Jacques Chevalier, l'homme qui voulait empêcher la guerre d'Algérie, pour reprendre le titre de son livre paru en 2012. L'appel pour une trêve civile du 22 janvier 1956 apparaît comme un moyen de rendre possible
le dialogue qui seul pourrait permettre des négociations ultérieures. Je parlerai du rôle qu'Albert Camus a joué dans cet appel et plus largement des liens qu'il a entretenus avec les libéraux d'Algérie. Et le fait que j'ai publié, coédité Chronique algérienne dans les œuvres complètes de la Pléiade, de Camus dans la Pléiade, m'a forcément fait travailler sur cet appel pour une trêve civile. Mais les démarches des uns et des autres échouent. On assiste à une radicalisation des élus du second collège et la montée parmi eux de l'idée nationale algérienne et leur ralliement progressif à OFLN. Et Aïssa Kadri l'a montré tout à l'heure, les militants arabes rejoignent le FLN, ceux qui étaient parmi les libéraux, pour une grande part, rejoignent le FLN. Les organisateurs de l'appel pour une trêve civile peinent à lui donner une suite. Les autorités font la sourde oreille à leurs demandes d'audience. En mars 1956, certains d'entre eux fondent la Fédération des libéraux d'Algérie, qui vise à un dialogue avec les militants indépendantistes, entre autres avec le bulletin Espoir Algérie, mais qui ne durera que jusqu'en avril 1957. Alors, parlera-t-on d'échec des libéraux ? On notera qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'au moment de cet échec, avec des guillemets. On l'a dit depuis ce matin, ils sont restés très dispersés, sans former une véritable force politique. Et même cette fédération des libéraux d'Algérie, dont je viens de parler entre 1956 et 1957, n'aura été qu'une un lien assez lâche entre eux, des groupes dispersés. Et ils étaient loin d'appartenir tous à cette fédération des libéraux. Les libéraux d'origine européenne ont connu des sorts très divers. Certains ont été tués, certains se sont ralliés au FLN, certains ont quitté l'Algérie en 1962, certains y sont restés. Parmi ceux-là, beaucoup sont partis en 1965, certains y sont restés encore au-delà. Tous, ils ont espéré. Mais à un moment ou à un autre, ils ont été déçus. Dira-t-on qu'ils avaient raison de rêver, de vouloir cette Algérie plurielle, même si l'histoire ne leur a pas donné raison. Alors mais c'est peut-être, il m'a dit que j'étais présidente de la séance, mais c'est lui aussi qui donne la parole. Alors comme il ne la donne pas, je la donne tout de suite. Donc à Cyril Duchemin, je ne reprends pas toutes les présentations en détail, vous les avez dans les documents. Et donc il parle des libéraux, de leur diversité, de leur convergence. Cyril. Merci. Alors, je commence mon exposé en disant que je n'ai aucune prétention à être expert dans le domaine. J'ai simplement fait quelques recherches pendant 2 ans, pendant mes études sur ce sujet. J'espère que ça va être, que mon intervention va être à la hauteur des précédentes. Je précise ça car car les libéraux d'Algérie, c'est un sujet assez compliqué à étudier. D'abord parce que on ne peut pas le comprendre si on regarde l'historiographie classique de la guerre d'Algérie, qui distingue les populations d'Algérie avec des grilles de lecture un peu clivantes, colonisées, colonisateurs, colonialistes, anticolonialistes, je ne sais pas, gauche, droite, etc. Si on s'en tient à ces clivages, on ne peut pas comprendre réellement qui sont les libéraux d'Algérie. Ce sujet est aussi compliqué car le terme lui-même de libéral fait débat. On en a eu un exemple tout à l'heure sur Soustelle notamment, et puis sur Ferhat Abbas qui lui-même aurait dit qu'il ne pas être libéral. En fait, notre groupe là de libéraux, il faut considérer que on utilise nous ce terme de libéraux, mais qu'en fait ça recouvre une réalité plus large que ce qui existait à l'époque, une réalité plus large que la simple addition des gens qui se disaient libéraux. Voilà. Bien, c'est une histoire difficile, et du coup, le plus simple pour aborder cette histoire, c'est de l'aborder par des parcours individuels. Le programme du colloque est d'ailleurs nous éclaire à cet égard, puisque la moitié des interventions concerne des personnages. Alors, c'est simple parce que ça nous évite une histoire chronologique des libéraux qui serait très compliquée, puisqu'en fait, chaque libéral a sa propre chronologie. En effet, il est absolument impossible de dire les libéraux européens ont compris
en 1960 que l'indépendance était inéluctable. C'est parfaitement possible de le dire, car chaque libéral européen a sa propre chronologie quant à l'idée de l'indépendance, quant à l'idée de la représentativité du FLN, par exemple, etc. C'est une approche simple aussi, car ça évite de faire une sociologie très complexe du libéralisme qui s'intéresserait à tous les groupes qui ont été libéraux. Il y a eu en fait beaucoup de libéraux parfaitement inconnus, des petites gens, parfois dans des zones rurales, et c'est compliqué de faire leur histoire car on n'a pas énormément de sources, il faut faire appel à l'histoire orale notamment, et donc ça demande beaucoup de temps et d'investissement. À la fois, cette approche par les personnages, elle est assez juste, même si elle est simple. Elle est assez juste parce qu'elle nous permet d'étudier les libéraux dans leur diversité. C'est pour ça aussi qu'on va continuer à faire ça sur cette table ronde, en parlant notamment de Jacques Chevalier, bon, ou de Camus. Alors, moi, je vais essayer de mélanger les approches. Je vais essayer de faire une rapide sociologie du libéralisme. Qui sont ces libéraux? Comment devient-on libéral? Et puis, qu'ont-ils fait? Comment ont-ils agi concrètement en Algérie? Je vais essayer d'avoir aussi une approche plus politique, chronologique, sur notre période, notamment sur la question de leur regroupement, parce qu'ils ont essayé de se regrouper, mais pas toujours au même moment, parfois trop tard, parfois trop tôt, bref. Surtout, je vais essayer de ponctuer mon intervention par un peu de micro-histoire, quelques anecdotes peut-être éclairantes. Et je vais surtout commencer par ce qui rassemble ces libéraux. Alors, ces libéraux, le libéralisme, c'est essentiellement une attitude d'ajustement individuel. Aucun groupe social ne fut entièrement libéral, et on trouve des libéraux à peu près dans tous les groupes sociaux. C'est une attitude essentiellement politique, c'est une critique de la colonisation, et donc j'exclus de notre champ d'étude une éventuelle minorité de libéraux silencieux qui ne s'exprimeraient pas, mais qui n'en penseraient pas moins. Donc, bon, ceux-là, on les étudie pas. Alors, c'est leur attitude d'ajustement individuel, elle est caractéristique à deux égards. D'abord, par rapport à la situation coloniale, donc tous s'opposent à la politique coloniale telle qu'elle a été menée. Certains se focalisent sur la situation économique et sociale, notamment faite aux musulmans. C'est plutôt des libéraux européens qui se focalisent là-dessus. Et d'autres se focalisent sur la situation politique. Et c'est évidemment plutôt des libéraux musulmans qui se focalisent sur ce point. Leur attitude est aussi caractérisée par leur attitude vis-à-vis de l'autre colonial. C'est-à-dire les Européens pour les musulmans pour les Européens. Tous ont partagé une attitude commune à propos de la situation politique spécifique créée par la colonisation. Les libéraux se distinguent par rapport à l'attention qu'ils portaient à l'autre, à sa culture, mais aussi à son histoire, sa religion, sa langue et ses conditions de vie qui étaient faites par le système en place. Les libéraux européens reconnaissaient l'identité spécifique du peuple musulman. Enfin, les libéraux musulmans, accepter sur le sol algérien la présence d'une minorité européenne. Ce furent des hommes et des femmes qui prenèrent constamment le dialogue intercommunautaire comme remède au problème algérien. Je peux vous citer le bulletin numéro 1 de la Fédération des libéraux d'Algérie, en 1956, qui dit « Être européen libéral, c'est multiplier sous toutes ses formes et chaque jour les contacts humains et les confrontations d'idées avec les Algériens d'origine musulmane. » Et être musulman libéral, c'est faire de même avec les Algériens d'origine européenne. Bon, les termes sont importants, puisqu'on parle d'Algériens pour qualifier tout le monde. Alors, qui sont-ils? D'abord, on ne naît pas libéral, on le devient. Et les cheminements individuels qui mènent à ce libéralisme ont un certain nombre de points communs. Tous sont issus de familles d'une grande rigueur morale, souvent religieuse, mais aussi parfois humaniste, laïque. Et à ce titre, l'influence du christianisme est importante en Algérie. Chez les Européens, le courant le plus important du libéralisme est en effet constitué de chrétiens influencés par la doctrine sociale de l'Église, notamment par les écrits de Mgr Duval, évêque d'Alger, à partir de 1954, je crois. D'autres, d'autres, euh, je vais passer, hein.
Une partie des juifs d'Algérie aussi ont une position modérée, proche des libéraux. C'est le cas notamment à Alger, des membres du comité juif algérien d'études sociales ou du comité pour la paix et contre le racisme, membres de la Fédération des libéraux d'Algérie. Bon. Parmi les libéraux musulmans, probablement que la religion a eu moins d'impact sur leur engagement personnel. En revanche, le plus important, c'est que tous les libéraux musulmans sont passés par l'école républicaine, ont été durablement marqués par cela. Ça a été souligné déjà. Maintenant, ça ne fait pas le libéral. Ce qui fait le libéral, la prise de conscience, elle se fait au moment de contact personnel, au sein d'un monde du contact. Et souvent, il faut aussi des contacts plus amicaux pour pouvoir prendre conscience de la situation particulière de la colonisation. Ainsi, par exemple, au lycée La Mauricière à Oran, on a trois personnages clés. Donc, c'est Jean Cohen, qui est enseignant en philosophie, qui est juif d'Algérie, qui est complètement acculturé, si on veut. D'ailleurs, il se définit ni comme juif, ni vraiment... encore moins comme indigène d'Alger. Il ne parle pas arabe. Sa mère parle le français et comprenait l'arabe. Sa grand-mère parlait que arabe et comprenait à peine le français. Voilà, pour expliquer qui est le personnage, il est engagé de philosophie. Il est affecté au lycée La Mauricière, à côté de la classe d'Abdelkader Madad, qui est agrégé d'arabe. Lui, il milite à l'UDMA. Leur contact se fait d'abord tout simplement en parlant à l'intercours des élèves du lycée, de la situation particulière de tel et tel élève, etc. Puis ils en viennent à parler un peu de politique. Et Jean Cohen se rend compte que son collègue est militant. Et c'est en fait là que Jean Cohen prend conscience de l'importance du politique dans les revendications des Algériens. En fait, il n'avait pas du tout conscience de ça, alors même qu'il était prof de philo et marxiste. Enfin, voilà. On a une histoire un peu similaire sur un groupe d'amis, membre de l'association des amis du théâtre arabe, mais peut-être que ça, on y reviendra après. Alors, parce que les libéraux furent dans leur immense majorité des individus ayant reçu un certain degré d'éducation, ils cherchèrent à influencer la politique en écrivant. Donc, ils publièrent un certain nombre de revues où ils s'appuyèrent sur des journaux. Donc, ça, en fait, leur principale action, ça a été de s'exprimer. Voilà. Certains aussi ont envoyé directement des courriers adressés aux représentants de l'État, et notamment, certains ont rencontré Guy Mollet au moment de son passage à Alger. Bon, ça a été un échec, évidemment. Certains s'exprimèrent en étant intermédiaires entre les belligérants. On a un exemple donc, dans le Constantinois, Pierre Thierry, qui était directeur d'une mine, qui simplement essaye de faire vivre sa mine en paix, donc pendant toute la guerre, donc, dans l'Est. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va voir les militaires français pour assurer qu'on lui donne une section d'infanterie pour protéger la mine. Et puis il va voir aussi dans le maquis, directement, le FLN, en lui demandant de donc, ne pas faire la guerre à cet endroit-là pour protéger les populations et notamment les mineurs. Bon, ça arrange aussi le FLN, puisque les mineurs payent l'impôt révolutionnaire. Mais voilà, on a quelqu'un qui fait l'intermédiaire et qui finalement préserve la paix dans une toute petite région à son échelle. Donc les libéraux, parfois, ont aussi participé à des négociations directes avec le FLN, notamment l'abbé Scotto, sur l'avenir des chrétiens en Algérie. Certains ont visité des camps de déplacés, notamment ceux de la CIMAD. Certains ont été visiteurs de prison. Et puis beaucoup se sont investis dans l'action socio-éducative, notamment dans les centres socio-éducatifs. On en a parlé. Maintenant, dans quel milieu était-il issu ? Alors, le milieu artistique est probablement le plus connu des milieux favorables aux libéraux. Albert Camus a ainsi déclaré en décembre 59 « La fameuse communauté algérienne, il y a 20 ans que nous autres écrivains algériens, arabes et français l'avons créée jour après jour entre nous. » Donc ces écrivains se retrouvaient dans les lieux particuliers, notamment la librairie d'Edmond Charlot à Alger. Un très grand nombre de libéraux étaient des enseignants. On en a parlé, je ne reviendrai pas dessus. Et un certain nombre aussi étaient avocats. On en a parlé, j'ai juste un exemple. Dans le manifeste donc, de Fraternité algérienne à Oran, qui recueille 182 signatures,
ainsi que dans le manifeste des amitiés algériennes à Alger, qui recueille 37 signatures, on compte 19 avocats. Donc on a une proportion assez importante d'avocats qui s'investissent dans des mouvements libéraux. Un autre exemple, encore plus précis, il a existé un comité indépendant pour l'union et la paix en Algérie, donc ça c'était à Beaune, en 1955. Alors, la composition du bureau est parfaitement symptomatique de ce que furent les libéraux. Le président du bureau est un enseignant d'histoire-géographie. Le vice-président est un commerçant. On compte une institutrice. Un clerc d'avocat et conseiller municipal au deuxième collège, qui est le seul musulman du bureau d'ailleurs. Une secrétaire comptable et membre du conseil d'administration de la Maison des Jeunes et de la Culture. Donc encore un micro-milieu où beaucoup de libéraux se retrouvèrent. Maison des Jeunes, la Culture. Une autre institutrice et un abbé. Jobbik Kerland, la mission de France à Soukaras, dont l'histoire a été écrite aussi, qui eurent des positions libérales, puis proches du FLN. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, globalement, les libéraux étaient, malgré l'existence de ces micro-milieux, assez isolés. Je vous citerai simplement ce que disait Charles Poncet, donc un des instigateurs de l'appel pour la trêve civile. Sur près de 200 employés qui constituaient la direction de l'armement chez Affino, donc où ils travaillaient, nous étions 3 libéraux, et l'on comptait au plus 4 ou 5 modérés qui n'épousaient pas inconditionnellement les thèses des tenants de l'Algérie française. Tous les autres partageaient depuis le 20 août les thèses des ultras. Bien. Alors, maintenant, j'ai plus trop de temps. Je brosserais simplement, si on pouvait simplement faire une chronologie rapide de l'action des libéraux pendant la période. Il faut distinguer la période d'entre-deux-guerres, entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'indépendance, où les libéraux essayèrent d'influer sur le cours des événements par l'action politique, on y reviendra avec Jacques Chevalier, les élus du second collège, et par l'action sociale, notamment en créant l'AJAS, alors c'est un petit groupe de libéraux et d'étudiants qui ont créé l'Association de la jeunesse algérienne d'action sociale. Bon, ça, c'est des micro-milieux. Tout ça, évidemment, ça a des difficultés de fonctionnement. Hein. Et au moment de la guerre, les libéraux se trouvent un peu face à la réalité. Alors, je vais conclure maintenant là-dessus. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est pendant la guerre que se structurèrent certaines actions des libéraux. Au moment même où, en fait, c'était probablement au moment même où c'était peut-être trop tard. Et justement, c'est en réaction aux difficultés de la situation que ces derniers se mobilisèrent. Je voudrais simplement là préciser que trop souvent, on se focalise dans les études sur ce sujet, sur Alger, et qu'en fait, on constate, en regardant un peu de près, qu'il y a eu des associations comme ça, un peu dans toute l'Algérie, à Oran, à Beaune, à Philippeville, etc. Voilà, je vais conclure simplement que malgré leurs contacts et parfois leurs amitiés, les libéraux européens et leurs homologues musulmans ont toujours été séparés par la barrière coloniale qui conduisait presque systématiquement à des prises de position différentes, notamment à propos du FLN ou de l'indépendance. Il faut aussi signaler donc une contradiction de fond. Lorsque les libéraux européens s'organisèrent enfin pour peser sur le cours des événements, en fait assez tard, pendant la guerre, eh bien leurs alliés musulmans n'y croyaient plus et militaient déjà pour une solution plus claire, l'indépendance. Donc il y a une contradiction là, et une chronologie qui n'est pas tout à fait la même entre les libéraux musulmans et les libéraux européens. J'ajouterais que le combat n'est pas tout à fait le même pour les libéraux européens. Le combat est d'abord un combat pour les autres, pour l'autre colonial. Et puis pour eux, mais un peu trop tard, c'est-à-dire que quand ils considèrent que la place des Européens n'est pas assurée dans l'Algérie d'après, alors là, effectivement, on a un sursaut libéral aussi dans les années 60 pour essayer de sauver ce qu'il y avait à sauver. Tandis que les libéraux musulmans, eux, se battaient finalement pour qu'il y ait une place plus importante, enfin, la place qui leur... Donc, au sein d'une colonisation. Et cette distinction explique tout simplement que, alors même que le problème est politique, lorsque les fédérations se sont structurées, c'était souvent
sur des problèmes d'ordre moraux, parce qu'en fait, c'est le plus petit dénominateur commun qui rassemblait à la fois les libéraux européens et les libéraux musulmans. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. C'est un exercice difficile, parce que, comme tu le dis, c'est une telle poussière d'étoiles, si je puis dire, ces libéraux, que pour arriver à en saisir les principales composantes, c'est un exercice compliqué. Merci donc de t'y être livré. Donc on va passer maintenant la parole à Jean-Philippe Pouldaoudia, qui va nous parler, donc à travers le cas de son grand-père, des élus du second collège pendant la guerre d'Algérie. À toi, Jean-Philippe. Dimanche 11 février 1951, Maître Boudjema Oudaoudia est élu délégué de la 13e circonscription de la Grande Kabylie à l'Assemblée algérienne. L'administrateur civil de Michelet avait commencé par refuser sa candidature. Le candidat a porté plainte devant le ministère de l'Intérieur. Sa démarche a été appuyée par celle du député du Haut-Rhin, M. Fonlup Tesperabert, qui avait déjà développé un certain nombre de luttes contre la fraude électorale en Algérie. Le ministère de l'Intérieur conforte la candidature de Maître Oudaoudia, mais ses avantards n'étaient pas terminés. Il avait dû décliner, c'est un mot que je mets entre guillemets, la proposition du sous-préfet de Tizi Ouzou de le déclarer élu à la fin du premier tour des élections, sans attendre le second, pour éviter les fraudes, les tentatives de fraude et les troubles qui s'étaient déroulés dans le secteur de Michelet-Maillot à cette date. C'est donc dans ce contexte de violence où la France viole quotidiennement ses lois que se situe l'action des élus du second collège pendant la guerre d'Algérie et dont je parlerai en me référant au papier laissé par ce rescapé de la fraude. Reçu en octobre 1954 par le président du Conseil, Ferhat Abbas, dont on vient de parler, rapporte cette phrase de Pierre Mendès France : « Je ne connais pas le dossier algérien, je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir ». Le 1er novembre 1954, le gouvernement est donc pris au dépourvu et ce sont les élus du second collège qui vont venir au secours du gouvernement en lui proposant un programme de réforme qui a pour nom l'intégration. Le 20 janvier 1955, 1er novembre 1954, 20 janvier 1955, plusieurs élus du second collège se réunissent au Palais Carnot, le siège de l'Assemblée algérienne, sous la présidence du docteur Abdelkader Ben Salem, qui est le délégué de la circonscription de Msila. Et Ferhat Abbas est présent et il assiste au débat. Deux décisions sont prises. La première, c'est d'adresser un communiqué pour dénoncer la répression dont sont victimes les populations du Constantinois, mais aussi, et je le lis, il demande que soit réalisée en Algérie une politique de complète égalité des droits et des devoirs dans le cadre de la démocratie française et la disparition de tout régime d'exception. Ce communiqué sera repris par l'Écho d'Alger le 21 janvier 1955 et par Le Monde le 22. On ne peut donc pas dire qu'il soit passé inaperçu. La délégation se rend à Paris pour rencontrer les ministres que l'Algérie concerne. Il est important de vous donner les noms de cette délégation. Deux représentants de l'UDMA, Ahmed Boumengel, avocat, Ahmed Francis, médecin. Un représentant des oulémas, dont on a parlé tout à l'heure, Ahmed Toufik El Madani, historien, membre de l'Académie de langue arabe du Caire. Mohamed Benjeloul, médecin, Abderrahman Fares, notaire et délégué de la 5e circonscription du département d'Alger. Vous allez comprendre pourquoi, tout à l'heure, j'insiste sur les qualités de lettrisme de ces élus. Le lundi 24 janvier, la délégation est donc reçue par Mendès France en présence de son directeur de cabinet. Elle sera reçue ensuite par le ministre de l'Intérieur François Mitterrand et le ministre de la Justice Emmanuel Temple. Elle va être reçue aussi par Jacques Soustelle, dont le nom apparaît dans le personnel politique. Il est reçu, Soustelle les reçoit, dans un petit bureau que lui avait concédé François Mitterrand au ministère de l'Intérieur, parce que le 24 janvier, Jacques Soustelle n'est pas encore gouverneur, il ne le sera que le lendemain. Conformément à ce qu'ils avaient décidé le 20 janvier 1955 au Palais Carnot, la délégation remet à chacun des personnalités qui les reçoit un document dont je ne vais citer que l'essentiel. Nous, sous-signés du 2e collège à l'Assemblée algérienne, conscient de notre mission et de nos responsabilités, nous demandons deux points. L'intégration pure et simple de l'Algérie dans la communauté française, avec l'égalité des devoirs et des droits pour tous les habitants du pays,
nous faisons un pressant appel au gouvernement de la République pour acheminer l'Algérie vers cette intégration. Bien sûr, je vous fais grâce de l'intégralité du document que je possède, parce qu'il avait tout un programme de réforme pour aboutir à l'intégration, mais l'essentiel était dit, égalité des devoirs et des droits pour tous les habitants du pays. MEDES France adopte immédiatement ce programme. Soustel a pour charge de le mettre en application. Ce programme sera aussi celui des deux gouvernements qui font succéder à celui de MEDES France, Edgar Faure et Guy Mollet. Malheureusement, ce qui était valable en janvier 1955 ne le sera plus en septembre 1955, 8 mois après. Voilà pourquoi encore une chance, encore une occasion a été perdue après celle de 1938 que vous nous avez développée ce matin. Un massacre de grande ampleur va détourner définitivement les élus du second collège d'une politique de réforme visant au rattachement de l'Algérie à la France. Vous l'aurez compris, ce sont les représailles disproportionnées commises par l'armée française le 20 août 1955 et les jours suivants à Philippeville et sa région. Massacres qui sont justifiés et couverts par, j'en ai parlé ce matin, le télégramme 00686 qualifié de secret, justifiant la responsabilité collective à l'égard de populations innocentes et désarmées. Je fais un rappel. À cette date, le 20 août 1955, tous les élus algériens du second collège ont en mémoire le 8 mai 1945, il y a 10 ans, et les tueries de rétorsion. En particulier Mohamed Salah Benjeloul, dont on a parlé, député de Constantine, qui avait dénoncé le 10 juillet 1945 les massacres commis à Guelma à l'instigation du sous-préfet Akhiari, futur protégé de Soustelle. Le 20 août 1955, Ferhat Abbas, délégué de Sétif, Ahmed Benjenouf, délégué de maire de Kenchla, Mohamed Benjeloul, député de Constantine, et Ali Kadi séjournent à Paris. Mais ils ont leurs habitudes, ils descendent dans les mêmes hôtels, ils arrivent à se rencontrer, se concerter, rentrent en Algérie rapidement, puis à Constantine, et le 25 août, ils ont organisé une réunion. Ils envoient un télégramme au président de la République, au président du Conseil, au ministre de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense nationale, pour protester contre, je cite, « répression impitoyable frappant aveuglément populations musulmanes désarmées et innocentes ». Mais ils constituent aussi ce jour-là une délégation de 12 membres qui retourne à Paris. Elle rencontre le 31 août Maurice Schumann, ministre de la Justice, Maurice Bourgès-Monory, ministre de l'Intérieur, Marie-Pierre Koenig, ministre de la Défense nationale. Le 1er septembre, la délégation est reçue par Edgar Faure, le nouveau président du Conseil, et par Jacques Soustel. Une note en 5 points, dont j'ai l'intégralité, mais dont je vais résumer le 5e point, est le suivant. Politique dite d'intégration dépassée, l'idée nationale a gagné toute la population. Soulignée dans le texte original, l'idée nationale a gagné toute la population. Ni le président du Conseil, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Défense, ni celui de la Justice, ni gouverneur général n'évoquent la moindre décision, le 31 août et le 1er septembre, visant à mettre un terme aux horreurs que leur décrivent les représentants des populations concernées. Je ne cite que 4. 10 villages totalement anéantis pour suspicion d'aide au FLN au napalm, liquidation dans le stade de Philippeville de centaines d'hommes raflés. Et tous ceux qui sont ici ont cette image de ces cadavres alignés derrière un grillage. C'est ce qui s'est passé à Philippeville. Et je rappelle le problème technique qu'a eu à résoudre le commandant Ossarès et qu'il dit dans ses mémoires, le problème technique que j'ai eu à résoudre, c'est celui de trouver un engin de chantier suffisamment puissant pour creuser des tombes suffisamment profondes dans la rocaille de Philippeville. Viol systématique commis par les unités de tirailleurs. Devant cette passivité des ministres, il y a un élément qu'ignorent les membres de la délégation et qui probablement a joué dans cette attitude indigne des ministres à l'égard de ces élus. C'est la réputation que leur a faite Soustel. Pardon. Dans son rapport du 1er juillet 1955 au président du Conseil, dans lequel Soustel écrit « Les pseudo-élus, installés dans leur siège grâce à la fraude électorale, le plus souvent illettrés et fréquemment malhonnêtes, ne représentent rien ni personne. Illettrés, les médecins, les avocats, les notaires, les représentants de... » Monsieur...
Je retourne en arrière. Tawfiq El Madani, membre de l'Académie de langue arabe du Caire. Ainsi parlait Jacques Soustelle, ainsi écrivait Jacques Soustelle dans ses rapports au président du Conseil. Comment voulez-vous qu'on considère déjà ces pseudo-élus illettrés et malhonnêtes quand ils viennent vous dire que rien ne va plus en Algérie, que l'intégration n'est plus la bonne solution et que l'idée nationale fait partie maintenant de ce qu'il faut respecter en Algérie. Le 26 septembre 1955, 20 août 55, 30 août 55, 26 septembre 55, ça va très vite. 90 détenteurs d'un mandat électoral ont répondu à la lettre envoyée par Salah Benjelloul, leur demandant de se réunir à la Maison de l'Agriculture, boulevard Baudin à Alger. Les entretiens du 31 août et le 1er septembre sont résumés. Ni le chef du gouvernement ni ses ministres ne nous ont apporté des réponses adaptées au massacre de Philippeville et sa région. Et Benjelloul déclare « Nous avons reçu un camouflet de tous les membres du gouvernement ». Les Oranais quittent la Réunion. Il en reste 61 d'élus qui appartiennent à l'Assemblée nationale, au Conseil de la République, l'Assemblée d'Union française et l'Assemblée algérienne, pour signer un document qui deviendra plus tard la motion des 61, que vous avez appelé « Appel des 61 » dans le programme, et qui comporte ceci. La politique dite d'intégration, qui n'a jamais été sincèrement appliquée, malgré les demandes réitérées des élus du deuxième collège, est actuellement dépassée. L'immense majorité des populations est présentement acquise à l'idée nationale algérienne. Interprète fidèle de cette volonté, les élus sous-signés croient de leur devoir d'orienter leur action vers la réalisation de cette aspiration. Vous avez donc vu qu'entre l'appel pressant à réaliser l'intégration pure et simple lancée le 25 janvier et la mission impérative de défendre l'aspiration du peuple à l'idée nationale donnée le 26 septembre, on mesure l'ampleur du changement d'orientation politique des élus du second collège en 8 mois. Cette motion rendue publique fut qualifiée de bombe, ce qui, dans le contexte des explosions d'Alger, était particulièrement malheureuse. Aujourd'hui, on dirait un séisme politique. Elle entraîna également un déluge de critiques et de menaces sur tous les signataires et particulièrement sur le secrétaire général du groupe des 61 que ses collègues avaient élu, Ouldaoudia. L'argument le plus fréquemment fourni pour expliquer ce revirement fut, bien entendu, la lâcheté des élus du second collège, la peur qu'ils avaient du FLN. Ils, dira Soustelle, ils ont été pris en main par la terreur, ils étaient menacés non seulement de mort, mais aussi de mutilation, d'assassinat des femmes et des enfants, parce que pour Soustelle, un élu du second collège ne peut être que polygame. Le motif de ce changement, en réalité, vous le connaissez. Quant à la peur du FLN, Benjelloul, Ben Bahmed et Mechri vont expliquer dans le Figaro « Nous n'avons pas peur des félagas, comme on veut bien le dire. Nous sommes en réalité bien plus menacés par le contre-terrorisme. » Oh, combien c'est vrai! Le domicile du secrétaire général est l'objet d'un jet de grenade le 20 mars 1956 par un groupe de terroristes d'Elbiar. Il en sera de même du domicile de Mokhtar Tamzali, délégué de Drahil Mizan et signataire de la motion. Ouldaoudia reçoit des lettres de menace, ce qui n'est pas très grave, comme au temps de Ismaïl Urbain. Mais à la différence de ce qui se passait au moment d'Ismaïl Urbain, les menaces sont suivies des faits, c'est-à-dire qu'il est l'objet d'une tentative d'assassinat par un membre de la pègre algéroise nommé Butabot en raison de son physique comparable à un acteur américain, et ce Butabot sera fort heureusement abattu par Ali Lapointe le 29 mars 57. Un groupe de parachutistes se livrera à une perquisition domiciliaire avec défoncement du jardin qu'entretenait avec amour ma grand-mère, à la recherche d'explosifs, parce qu'on trouvait des explosifs chez les gens chez lesquels on faisait des perquisitions pour justifier qu'ils soient arrêtés. On n'en a pas trouvé chez mon grand-père. Par contre, on lui a volé des documents qu'il a réclamés au général Massu. Le général Massu lui en a rendu quelques-uns, mais il n'en a pas tous rendus. Non, les élus du second collège n'avaient pas peur du FLN. Ils n'avaient pas peur du FLN pour une raison très simple que je vais vous donner. Le 3 janvier 56, le Front fait parvenir une lettre adressée à M. Ouldaoudia, secrétaire du groupe des 61, et cette lettre, écrite en termes choisis, je pense, par parenthèse, mais je n'en ai pas la certitude, qu'elle est écrite par Abban Ramdan, en recoupant les informations qui se trouvent sur Ferhat Abbas, le livre écrit par Benjamin Stora et Madame Daoud.
Nous vous prions de bien aviser vos amis du groupe des 61 que s'ils persistent dans leur attitude, nous nous verrons à regret dans l'obligation de passer aux actes. Nous espérons ne pas en arriver à une telle extrémité, car il y a parmi ces élus des hommes de valeur dont l'Algérie de demain aura tant besoin. Veuillez agréer, monsieur le délégué, l'assurance de notre considération. Il est bien évident que le secrétaire général ne va pas garder par-devers lui cette lettre du front. Il va en parler au comité permanent de coordination, et le comité de coordination décide, et bon, on va aller voir le FLN et on va lui dire ce qu'on fait. Et effectivement, Boujma Ouldaoudia a un rendez-vous dans la basse Casbah, chez le Bachaga Boutaleb, ça je le sais. Par contre, je ne sais pas quel est son interlocuteur du FLN. Et après discussion avec les gens du Front d'Alger, un accord est conclu au terme duquel les élus vont conserver leur liberté de parole et d'action à la condition de ne pas toucher au domaine relevant de la lutte de libération. Les élus de l'UDMA ont démissionné en décembre 55 et pas en 56, comme ça a été dit ce matin. Les élus du second collège vont sortir écœurés de l'entrevue qu'ils auront avec Guy Mollet le 7 février 56. Le 12 avril 56, l'Assemblée algérienne est dissoute. Le 22 avril 56, Ferhat Abbas parle du Caire. Les élus du second collège, et c'est ma conclusion, je reste dans les temps, ils sont aujourd'hui méprisés, et par ceux auxquels je ne m'attendais pas. En 1998, André Mandouze écrit, copié-collé de Soustel, le fameux groupe des 61 pseudo-élus musulmans. Pseudo-élus musulmans à l'égard d'Ahmed, Francis, Sator, Ouldaoudia, Himalayen, les bras m'en sont tombés. Le 18 juin 2012, à la conférence débat organisée par Coup de Soleil, à la Maison de l'Amérique latine, mon cher, l'historien Tramor Kemener qualifie globalement les élus du second collège de béni-oui-oui. Ce néologisme de construction familière apparu aux alentours de 1919 dans le vocabulaire colonial méprisant. L'historiographie d'aujourd'hui disqualifie ces hommes politiques en reproduisant un manichéisme colonial selon lequel tout Algérien élu dans le second collège est second partout. Tous pourris, avait dit Soustel, les bénis oui-oui sont devenus une vérité historique. Et pourtant, je reprends ce qu'écrit Georgette Elger. Ils sont les parfaits produits de l'enseignement républicain. Ils croient aux valeurs qui leur sont enseignées et ils veulent simplement que ces principes soient appliqués en Algérie comme en France. L'étude des papiers d'un pseudo-élu du second collège, illettré, avocat, montre que ces hommes politiques ont rempli leur mission sans faillir. Ils ont sans cesse dénoncé et combattu les inégalités et les injustices de l'ordre colonial. Ils ont sans relâche proposé des réformes. Que dit Ferhat Abbas ? Si cette intégration avait été faite, loyalement faite, l'Algérie aurait évolué vers l'indépendance sans effusion de sang. Ils ont informé le gouvernement des crimes commis au nom d'une France qui, en Algérie, n'a jamais appliqué les principes qu'elle leur avait enseignés. Certains d'entre eux ont payé de leur vie le courage qu'ils ont eu. Mais pouvait-on vraiment réformer en Algérie par les moyens démocratiques ? Merci Jean-Philippe. On passe maintenant à Jacques Chevalier avec José-Alain Fralon, qui a donc consacré un livre après une bonne année d'enquête à cette emblématique maire d'Alger. À toi, José-Alain. Merci. Ma parole de Constantinois, Georges, je vais respecter les délais, parce que la dernière fois qu'on a fait une conférence ensemble, j'avais parlé beaucoup trop longtemps, parce que j'étais trop pris par mon sujet. Alors, au lieu de dérouler toute la vie de Jacques Chevalier, je vais plutôt faire quelques arrêts sur image, quelques coups de projecteur sur quelques moments importants de la vie de Jacques Chevalier. Le premier, c'est fin 1922. Il a 11 ans et il découvre l'Algérie. Première chose, donc, Jacques Chevalier n'est pas, j'aime pas ce nom de vrai pied noir, vrai français, vrai, ça veut rien dire, mais enfin, non, il n'est pas né en Algérie, il est né à Bordeaux. Et il arrive de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire sa mère est américaine
Et ses parents, et Jacques Chevalier était très fier de ses ancêtres bretons, des corsaires quelque part, qui sont allés découvrir la Nouvelle-Orléans. Ils ont implanté et mis le drapeau français à la Nouvelle-Orléans. Ça, c'est du côté maternel. Et du côté paternel, alors même si Jacques Chevalier lui-même, de temps en temps, se laissait aller à dire que ses ancêtres avaient connu, je crois, les panthères en Algérie, non, c'est son grand-père avait d'abord implanté, avait essayé de faire de l'exploitation agricole. Ça n'avait pas marché. Il était revenu à Lyon et après revenu en Algérie pour acheter une tonnellerie qui s'appelait la tonnellerie La Salas. Et d'ailleurs, ce qui est important pour la petite histoire, mais la grande histoire aussi, c'est que l'oncle d'Albert Camus, il y a une fameuse photo d'Albert Camus portant la cantine à son oncle qui travaillait chez La Salas, donc chez les Chevaliers. C'était peut-être le premier rendez-vous manqué entre les deux hommes. Donc voilà, c'est un peu un ovni qui arrive. Il découvre l'Algérie, il arrive de la Louisiane et il s'installe. Le deuxième arrêt sur image, deuxième coup de projecteur, je vais vite, c'est 1946. Jacques Chevalier se présente pour la première fois à une élection. C'est l'époque 45-48, il y a au moins 4-5 élections législatives, constituantes, etc. Et il se présente à une élection. Et c'est vraiment, comment dire, c'est un peu le prince qu'Alger attendait, c'est-à-dire qu'il a tout le monde derrière lui, il fait un triomphe à chaque élection, sauf les communistes. Pourquoi ? Parce qu'il réunit à peu près toutes les qualités, tous les défauts en son nom. Premièrement, c'est un homme jeune, mais il a 6 enfants, donc ça rassure. Deuxièmement, c'est un homme qui a une belle prestance, qui est très incisif, qui parle bien, qui est licencié en droit, qui avait des études assez brillantes, assez rapides, bien que ça ne l'ait pas passionné. Et il est en même temps vichiste et gaulliste. C'est-à-dire qu'il a été vichiste parce que Jacques Chevalier a été d'extrême droite, il a été dans les croix de feu de la Roque en 1936. Après, il a été pétiniste puisque c'est Végan qui l'a nommé maire d'Elbiar, une commune d'Alger, nommée par Végan maire d'Elbiar. Donc il est vichiste. Mais en 1944, Soustelle l'envoie au nom de la... C'est la fin du BSRA, le début du contre-espionnage, parce qu'il avait déjà été recruté par Vichy pour faire du contre-espionnage à Alger. Et là, c'est Soustelle qui l'envoie à Washington pour remettre un peu de l'ordre dans le service du contre-espionnage de la résistance, donc des gaullistes, à Washington. Et il ne parlera jamais comme tout bon espion. Certains disent espion un jour, espion toujours. Non, on trouve encore en 1946 quelques missions qu'il fait et après c'est fini. Donc il est vichiste, il a été nommé par Vichy, nommé aussi par les gaullistes. C'est un homme de droite, mais qui est très social, tout ça entre guillemets, mais en même temps, il a beaucoup travaillé avec Alexandre Chollet, notamment, qui est le patron des syndicats chrétiens, pour essayer d'étendre les droits sociaux des travailleurs français en Algérie. Donc, il a tout le monde derrière lui, et cet homme est élu brillamment, et il est très Algérie-français, c'est-à-dire il le reconnaît lui-même, il reconnaît ses erreurs, et c'est lui qui a eu en quelque sorte la peau de Châtaigneau, qui était le gouverneur général. Il s'est opposé à tous les statuts un peu libéraux sur l'Algérie à cette époque, il était profondément Algérie-française. Qu'est-ce qui se passe vers les années 52, assez vite? Il aurait pu rester comme ça, tranquillement, il était élu, il savait qu'il allait être élu très longtemps, il avait la plus belle carrière devant lui. En 52, il change, pas d'un coup comme ça, il n'a pas eu comme Claudel la cathédrale, le pilier de Notre-Dame, une révélation, mais tout simplement, il dit, il faut un dialogue, et il propose à l'Écho d'Alger, tenu par Sérigny, en disant, mais pourquoi on ne ferait pas une grande enquête et instaurer le dialogue entre Algériens en faisant parler des Algériens, des Français, des pieds noirs, enfin à l'époque on ne les appelait pas pieds noirs, faire parler ces gens. Bah, tout le monde dit parfait, cette idée est merveilleuse, mais elle s'arrête à partir du moment où il dit oui, on va quand même pas uniquement, on va un peu étendre ce dialogue à tout le monde, et notamment il aimerait qu'Ahmed Francis prenne la parole. Ahmed Francis, c'est le beau-frère de Ferhat Abbas, je me trompe, ou... Oui, c'est ça. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, on dit non, alors on veut bien dialoguer avec les Algériens, dialogue entre Algériens, mais il faut quand même garder ses limites, et donc, dialogue Algérie. Et là, Chevalier commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut essayer de changer les choses. Troisième arrêt sur image, 1954. 1954, 1er novembre 1954, déclenchement de l'insurrection. Chevalier est au firmament de sa carrière. Il vient d'être nommé secrétaire d'État dans le gouvernement Mendès France. Il sera ministre de la guerre un mois plus tard.
C'est le gouvernement, c'est la Dream Team, le gouvernement. Quand on voit les noms des ministres qui sont dans ce gouvernement Mendès-France, il y a vraiment énormément de gens. Du beau linge. Et il est ministre. Et en même temps, surtout, il était maire d'Alger. Il a été élu triomphalement maire d'Alger. C'est à l'époque qu'il y a encore l'unanimité autour de lui. Et il pose quelques actes très vite. Le premier, qui est fondamental, c'est il nomme premier adjoint Maître Kiouane. Et c'est, selon des historiens, ça, il faudrait vérifier, c'est sans doute la première fois qu'un homme qui professe pratiquement ouvertement ses opinions nationalistes qui arrive à un tel poste de responsabilité. Et la deuxième chose, et ça, c'était toute sa vie, et c'est ce qui restera, je crois, toujours de lui, c'est qu'il se met à construire, à refaire Alger, à donner une nouvelle image à Alger, en disant, on va travailler tous ensemble. On a parlé ce matin derrière Massoul, derrière Saada, tous ces immeubles, non seulement pour faire mettre les gens qui vivent ensemble, faire vivre ensemble tout le monde, mais aussi travailler ensemble. Et là, l'image de Jacques Chevalier, qui restera de tous les gens qu'il connaissent, c'est un homme qui, le dimanche matin, laisse sa famille, prend sa voiture avec le chauffeur, dit au chauffeur, tu conduis trop doucement, qui monte à la place du chauffeur et qui va voir ses chantiers. Vraiment, il s'investit énormément parce que sur ce côté pragmatique, il faut faire des choses ensemble, et en faisant des choses ensemble, plus le dialogue, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Alors, il a essayé aussi, en novembre 1954, comme ministre, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est qu'il a essayé de convaincre Mendès-France, avant le début de l'insurrection, il a essayé de tirer la sonnette d'alarme à Paris en disant « ça va mal se passer, attention, il faut absolument vous occuper de l'Algérie ». Et je crois que Mendès-France, malgré toutes ses qualités, je crois que Mendès-France, trop pris peut-être par l'affaire de Chinoise, par autre chose, et le Maroc, Mendès-France n'avait pas été alors occupé. D'ailleurs, il a quand même réussi à faire une rencontre entre Mendès-France et Ferhat Abbas, mais ça tourne un peu court. Mendès-France a trop d'autres choses à s'occuper. Donc voilà cet homme. Le troisième arrêt sur image, 13 mai 1958, pendant que De Gaulle fait... Non, pas le 13 mai, le 4 juin 58, pardon. 4 juin 1958, pendant que De Gaulle fait son fameux discours « Je vous ai compris ». Jacques Chevalier est tout seul dans sa maison au Bordes. Il attend quand même d'être reçu, puisque De Gaulle reçoit absolument tous les sommités, les représentants des associations culturelles, politiques, algéroises, et il attend, il fait le tour, et il n'y a personne. Quelques semaines avant, un petit peu avant, le général Salan, a convoqué Jacques Chevalier et lui a dit « c'est fini, vous n'êtes plus maire ». Il l'a congédié. Mais enfin, bon, De Gaulle arrive, il pense que De Gaulle va rétablir un petit peu une légitimité républicaine. Et il attend, il tourne en rond, rien. De Gaulle a cédé aux extrémistes et ne veut pas recevoir Chevalier. Et il y a un seul homme qui vient le voir. Le seul homme qui vient le voir, c'est Léon Duval, l'archevêque d'Alger. Et ils se retrouvent un peu comme ils étaient en 1956, pendant la bataille d'Alger, très souvent. Très souvent, l'archevêque venait voir le maire en lui disant « Voilà, j'ai une liste, quelqu'un qui a disparu, qui a été torturé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez le sortir? Allez voir Massu, allez voir Lacoste, battez-vous. » Et la même chose. Et il y avait tous les jours, devant le bâtiment, le bord où habitait Jacques Chevalier, il y avait 10, 20, 30 personnes qui venaient tous les jours pour demander au maire, et c'était la seule personne à qui il pouvait parler en disant « Voilà, notre frère, notre sœur, notre père a disparu, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Et Jacques Chevalier essayait de faire. Et là, il se retrouve, Léon Duval et Jacques Chevalier, tous les deux au bord, Duval dit c'est comme ça. Et c'est un des rendez-vous manqués quand même entre De Gaulle et Chevalier, parce qu'après il y a une hypothèse, des choses dont on parle assez peu. En septembre 58, il y a les premières élections législatives. Et c'est la première fois où les Algériens, je crois, votent au suffrage universel, le collège unique, etc. Et autour de De Gaulle, il y a deux courants qui s'affrontent. Il y a un courant qui dit, bon, faisons comme d'habitude, les élections, on sait faire, même si le collège unique, l'armée va s'occuper de ça, il y aura des scores à 70, 80, 95, 100%, 101, 105%, même les élections, comme on appelait à la Néglène, qui ont toujours prévalu. Et il y a autour de De Gaulle des gens qui disent, pourquoi ne pas faire enfin, de jouer vraiment, et De Gaulle a été tenté par cette solution, pourquoi pas faire une liste avec Jacques Chevalier, il y a même Jacques Savary, Alain Savary qui était intéressé aussi, faire une liste libérale à Alger ou ailleurs, pour essayer de que ce courant libéraux soit représenté à l'Assemblée. Mais ça ne marche pas.
Donc, en privé, oui, aussi, il faut dire que l'attitude de Jacques Chevalier sur la... J'ai lu à peu près toutes ses archives, et j'ai vu l'attitude de Jacques Chevalier est une attitude toujours très pragmatique. Et je n'ai pas le mot que la personne qui était tout à l'heure parlait de faire à ta base. Ça ressemble énormément, c'est-à-dire le réel, d'abord. Bien sûr, il y a un idéal, mais allons sur le réel. Et il n'arrêtait pas de faire des plans, d'essayer de fédéralisme, d'essayer de trouver des solutions pour sortir du guépier. Et d'abord, d'arrêter la guerre. Et aussi le dialogue. Le dialogue est la recherche d'une solution fédérale. En privé, il y en a des preuves. En privé, il dit aux gens, dans 10 ou 20 ans, l'Algérie sera indépendante de toute façon, donc il faut s'y préparer. Et il y a une preuve écrite de ça. C'est un peu un traquenard, mais enfin bon, il y a un jour des journalistes qui viennent en 57, je crois, qui viennent dans son bureau, ils interviewent, et il dit, je veux bien de l'interview, mais c'est off. Alors, c'est un bâton rompu, donc vous ne le citez pas. Les journalistes à l'époque respectent tous le off, sauf un journaliste indien qui retourne à Bombay ou à Calcutta et qui écrit, voilà, Jacques Chevalier dit qu'il est pour l'indépendance à terme, etc. Et pourquoi cet article a été traduit et tombé dans le Nouvel Observateur qui le publie? Et bien sûr, l'Écho d'Alger se fait un bonheur de reprendre ça en disant « Regardez, Jacques Chevalier pour l'indépendance ». Et lui dit « Bon, je l'ai dit, mais enfin, donc, voilà, son attitude, c'est ça ». Et le dialogue aussi est fin décembre 1956, il y a deux choses importantes. Il rencontre M. Lebjaoui, et là on retrouve exactement la même chose qu'Albert Camus avec l'appel au droit civil. Il y a quelqu'un qui, à la mairie, lui dit, voilà, il y a quelqu'un d'assez important du FLN qui aimerait vous rencontrer si vous acceptez. Il réfléchit, c'est assez dangereux, il dit, tout seul, venez tout seul, etc. Bon, il y va, un peu rocambolesque, cow-boy, James Bond, en charge de voiture 4 fois, il rencontre quelqu'un, il ne sait pas qui c'est, en fait c'est Lebjaoui, et qui lui dit, voilà, moi, j'aimerais rencontrer des gens à Paris pour lancer un dialogue, etc. Il tombe un peu dans le panneau, il le croit, et il discute très longtemps. Et Lebjaoui a dit quelque chose de très important, je trouve. Voilà ce que dit Lebjaoui. « Je n'ai jamais entendu avocat plus éloquent défendre avec plus de sincérité, plus de vigueur, les vrais intérêts des Français d'Algérie. Les choses assurément auraient pu tourner différemment si cette communauté européenne, au lieu de suivre les porte-parole de la grande colonisation, s'était groupée autour d'hommes tels que Jacques Chevalier. » Alors, Jacques Chevalier facilite le départ de Lebjaoui. En fait, Lebjaoui y va pour réorganiser la Fédération de France du FLN. Chevalier, bien sûr, ne le sait pas. 10 ans après, l'Algérie est indépendante, c'est fini. La polémique arrive, Lebjaoui raconte ça, et il y a deux versions qui s'opposent. Et notamment sur les cartes d'identité, Lebjaoui dit, moi, c'est Chevalier qui m'a fait des cartes d'identité, qui lui-même a ouvert la mairie le soir, il m'a fait des fausses cartes d'identité. Chevalier dit non, on ne saura pas la vérité. Mais enfin, ça veut dire que voilà, ce dialogue en disant, favorisons tout ce qui peut être le dialogue. Deuxième petite chose, je suis dans les temps, Georges. Bon, là, je veux lever une petite 1956 qui compte énormément pour Chevalier, qui compte pour tous les gens qui s'occupent de la guerre d'Algérie. C'est le jour où Guy Mollet, allez, soyons forts, baisse son pantalon devant les ultras. C'est fondamental. Chevalier est là, il est là à côté de Guy Mollet. Et il prend les fameuses tomates sur la... Alors là, en 3 minutes, je vais lever un point d'histoire très important, parce que Georges Eltjelger, grand spécialiste de la 4e République, dit « Il n'y avait pas de tomates à Alger en février 1956 ». Pendant longtemps, je l'ai cru. Je l'ai cru pendant longtemps, donc voilà, c'est une affaire de détail. Et finalement, un ami, je peux le dire, l'un des fils de Jacques Chevalier, en cherchant très, très, très longtemps, etc., trouve le catalogue d'un marchand de primeurs, de Blida, qui dit qu'en février, il y avait des tomates. Voilà. Donc, fermons la parenthèse. Bon, voilà, ça nous fait rire, parce que, mais pourtant, l'histoire n'est pas drôle, parce que février 56, Chevalier est rentré chez lui, couvert de détritus, etc., et Chevalier, à l'époque, est vraiment haï par une certaine partie de la communauté pied-noir, et il en a beaucoup souffert. Cinquième arrêt sur... La grand-mère de Jean-Philippe a acheté des tomates ce jour-là. Voilà. Alors maintenant, la dernière arrêt sur image, c'est juin 1962. C'est un aspect, moi je trouve très important de la guerre d'Algérie, qui a très peu été étudié, très peu couvert. C'est ce qu'on appelle vraiment, entre mille guillemets, les accords FLN-OAS, où Chevalier a joué le premier rôle.
je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas eu d'accord. En fait, à la fin, ces accords FLN-OAS, c'est Mostefai, qui est représentant du FLN avec Fares au sein de l'exécutif provisoire, qui dit, s'adressant aux Français d'Algérie, en disant « J'ai rencontré beaucoup de vos dirigeants, et notamment de l'OAS, pour essayer de trouver une solution. » Le simple fait qu'il a dit ça, Mostefa, il va payer sa carrière de ce simple mot. Mais ces accords, c'est très important quand on lit l'histoire de Jacques Chevalier. Parce que pourquoi ? Chevalier, en 1958, il est vidé donc par Salan. De Gaulle ne lui tend pas la perche de cette élection. Il fait des affaires, il travaille de nouveau avec Pouillon à Paris et il vient de temps en temps à Alger. Et c'est Salan qui va le chercher, chef de l'OAS, qui va le chercher en lui disant « Je veux absolument vous rencontrer ». Bon, il dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Bon, pourquoi ? Il demande un peu conseil autour de lui. Salan, quand je dis Salan, attention, c'est avant les accords FLN, c'est avant l'arrestation de Salan. Salan est encore dans la Mitidja et Salan reçoit Chevalier. Ah oui, ça, c'est 61. Fin 61, on a les dates. Fin 61, il reçoit, c'est Susini aussi qui l'amène. Il reçoit Salan et ça. Dans la clandestinité, bien sûr, oui. Salan est bien sûr, il est recherché. Donc il trouve Salan, il le décrit avec ses cheveux noirs, sa moustache, etc. Et Salan lui dit, oui, vous savez, on a besoin de vous, vous avez des bons rapports avec la communauté musulmane, est-ce que vous voulez pas nous aider ? Il dit, non, c'est pas de ça qu'il s'agit, moi je veux bien vous aider si on arrive à trouver un dialogue et à arrêter les violences, c'est ce qu'il fait. L'affaire, finalement, avec Salan n'aboutit pas. Mais après, ça revient avec... Je ne rentre pas dans les détails. N'oublions pas... Aujourd'hui, ça nous semble fou, tout ça. N'oublions pas que Alger est à feu et à sang, que l'OAS terre sur tout ce qui peut tirer, que le FLN se prépare, que c'est la fin, que les incendies du port, etc., que les pieds noirs commencent à avoir très peur, commencent à partir. C'est très, très dur. C'est une situation très tendue. Et dans cette ambiance un peu folle, où il y a un double jeu... Il y a les représentants Susini que j'ai rencontrés plusieurs fois récemment pour parler de ça et essayent de faire un accord. Et cet accord que Jacques Chevalier, depuis le début, depuis 54, depuis même 52, ce dialogue essaye entre les Européens et les musulmans qu'il essaye de promouvoir, on arrive. Alors, ça tombe à l'eau, mais par exemple, il y a Fares, Chevalier, Susini, qui mettent au point un statut qui revient un peu sur les accords d'Évian, complètement fou, mais enfin bon, quand vous le voyez, c'est... mettant les poids d'une république algérienne avec, par exemple, le drapeau algérien, avec bleu, blanc, rouge, comme le Commonwealth sur la droite, etc. Bon, tout ça, bien sûr, paraît fou maintenant. Mais qu'est-ce que cherche Chevalier ? Qu'est-ce que cherche Chevalier avant tout ? C'est d'arrêter les violences. Et que, maintenant, on sait que ce n'est pas forcé. Mais à l'époque, quand Susini disait « on va faire sauter les puits de pétrole », quand le colonel Godard dit « moi, je mets tous les gens, j'entoure la casbah avec des grenades et des fusils mitrailleurs et je tire dessus », quand on dit tous les égouts dans la casbah, tous les égouts sont minés, on va faire sauter tout ça. Il y a déjà eu des milliers de morts par la terre brûlée. Donc ce que veut Chevalier, c'est l'arrêter. Et finalement, il y arrive. C'est très dur, il y a des disputes, c'est un mélodrame incroyable. Mais enfin, il réussit à le faire puisque les violences cessent. L'affaire est finie. Les pieds noirs s'en vont. Et Chevalier, son dernier acte, puisqu'on s'arrête à cette date, Chevalier prend la nationalité algérienne. Et cet incorrigible optimisme, parce que moi je crois que ces libéraux sont quand même marqués de cet optimisme un peu congénital et qui était peut-être un peu trop, c'est le communisme, croit que les pieds noirs vont revenir. Il croit que ça y est, on va s'arranger. Ça ne se passe pas comme ça. Il reste en Algérie. Il essaie, on lui donne un hochet, mais directeur adjoint du port autonome d'Alger, mais c'est un bijou, enfin une sucette, c'est rien. Il refait des constructions avec Pouillon et il meurt en 71. Il veut absolument mourir à Alger et il revient avec l'avion de Chaban-Delmas et c'est le docteur Chollet qui lui ferme les yeux. Je ne vais pas finir par là parce que je veux en un mot dire. Comment on peut expliquer pourquoi Chevalier a choisi cette ligne de crête et quels étaient les deux moteurs de son action? Moi, je trouve qu'il y en a deux. Il y a le premier, je crois que c'est un humanisme chrétien. Souvent, il faut le reconnaître, un petit peu paternaliste quand même. C'est souvent chez un petit peu paternaliste. Mais enfin, bon, c'est un humanisme chrétien. Et aussi...
le pragmatisme américain, c'est très important pour comprendre l'accent de Chevalier. Chevalier, c'est Roosevelt. C'est Roosevelt, c'est-à-dire que du côté américain, c'est il faut mieux accorder l'indépendance à tous ces pays-là. Pas forcément pour des raisons humanitaires, mais parce que sinon, ils vont être pris dans l'autre camp, d'être en pleine guerre froide, dans le camp soviétique. Donc, il faut accompagner cette indépendance. Et Chevalier est persuadé de ça. Et on dit même que quand Kennedy fait son fameux discours, jeune sénateur Kennedy fait un fameux discours prônant plus ou moins l'indépendance de l'Algérie, et que ça fait une grave, très grave crise diplomatique entre la France et les États-Unis, on dit que Chevalier aurait, par le biais de l'ambassade d'Algérie, aurait donné des informations pour que Kennedy fasse ce discours. Voilà, donc est-ce que maintenant... Chaque fois qu'on parle de gens comme Chevalier, on dit est-ce qu'il a échoué, est-ce qu'il n'a pas échoué. Oui, il a échoué dans ce dialogue, il a échoué dans ce... Comme ces libéraux, ils ont échoué, ils auraient aimé une Algérie fraternelle et ça n'a pas été le cas. Mais en même temps, ils ont réussi d'abord à arrêter la violence quand ils ont pu le faire. Et ils ont surtout donné une image, je crois, ils ont... J'ai dit tout à l'heure qu'ils ont manqué peut-être, et Chevalier lui-même, il a peut-être manqué du petit peu de cynisme qu'il faut à un homme politique. Ce manque de cynisme, certains disent c'est un défaut, pour moi je trouve que c'est une qualité, et c'est sur cet hommage que je veux terminer. Merci. Merci. Alors, maintenant, Madame la Présidente Agnès Piquel va nous parler d'un personnage qu'elle connaît particulièrement bien, qui se nomme Albert Camus. Merci, Monsieur le Président. Le 22 janvier 1956, Albert Camus lance à Alger un appel pour une trêve civile en Algérie. Alors, il y a beaucoup de lieux communs qui traînent sur cet événement. Pour certains, c'est un coup d'éclat de Camus qui se parachute à Alger pour faire écho aux articles qu'il a lui-même écrits dans l'Express durant l'automne 1955 sur l'Algérie. Pour d'autres, derrière une unanimité de façade, c'est une journée des dupes. Les libéraux musulmans qui s'étaient impliqués avançaient masqués sans révéler leur rôle réel dans le FLN. Pour compliquer la chose, j'ai lu au moins 5 versions détaillées de l'événement. La version de Charles Poncet, celle d'Emmanuel Robles, celle de Mohamed Lebjaoui, celle d'Amar Ousgan, celle d'André Rosfelder, et j'en ai sans doute manqué d'autres. Or, elles sont notablement divergentes. Alors, pour y voir plus clair, non pas pour ajouter une version de cette journée, je parlerai simplement du rôle de Camus, et pour cela, il faut remonter dans les années 30. Pour comprendre le Camus de 56, il faut remonter dans ces années 30, donc les années de sa jeunesse algéroise. Je rappelle que Camus a 20 ans en 1933. Dès cette année-là, il est en contact avec les futurs libéraux européens et musulmans. Je vais donner quelques faits. Un de ses meilleurs amis, Claude de Fréminville, est secrétaire général de l'Union franco-musulmane, qui est en contact étroit avec l'étoile nord-africaine de Messali Hadj, et de Ferhat Abbas. Lui-même, Camus, adhère au Parti communiste algérien à l'automne 1935. Il est affecté à la propagande dans les milieux arabes. Il noue dans le Parti communiste algérien des liens avec des communistes musulmans, entre autres Amar Ousgan, qui sera le secrétaire général du PCA. Mais il quitte ce PCA en 1937, il y reste un peu plus de 18 mois, juste au moment où il va s'en faire exclure pour trotskisme, et il le quitte parce que Moscou, relayé par le PCF, estime que la lutte anticoloniale doit passer au second plan. Camus est à l'origine du manifeste des intellectuels d'Algérie en faveur du plan Blum-Violette, en avril 1937. Dans ses intenses activités théâtrales, je continue à énumérer des faits, il noue des amitiés solides que l'on retrouvera au moment de la trêve civile, par exemple avec Emmanuel Robles. Et ce sont des amis de Camus, dont Charles Poncet, qui seront les promoteurs, juste après la guerre, d'un groupe soutenant le théâtre d'expression arabe. Et c'est
ce groupe du théâtre d'expression arabe qui donnera naissance en 1955 au groupe des Amis de la Trêve Civile. Charles Poncet relate cela très en détail dans un épais document encore inédit qui couvre une matière beaucoup plus ample que son article « L'impossible trêve civile » de 1990. Et cette naissance du groupe des Amis de la Trêve Civile au sein du groupe du théâtre d'expression arabe est quelque chose de tout à fait émouvant. Camus collabore au journal de gauche Alger Républicain. Il y entre parce qu'il est au chômage et il y fait d'abord n'importe quels articles, mais très vite Pascal Piat, son directeur, se rend compte de ce dont est capable Camus. Mais je rappelle que ce journal Alger Républicain, dès ses débuts en 1938, affirme être ouvert aux groupes musulmans et, je cite, sur un même pied d'égalité que nos camarades européens et dans un même esprit de mutuelle fraternité. Alors, bien sûr, on connaît la retentissante série d'articles de Camus dans Alger Républicain, Misère de la Kabylie, 11 articles résultat d'une longue enquête qu'il a menée. Mais il ne faut pas oublier, et ça a été rappelé tout à l'heure dans le bel exposé de Julien Fromage, qu'il publie aussi dans d'autres journaux pendant cette année 1939. Et assez récemment, on a remis au jour cet article « Réflexion sur la générosité » qu'il publie en 1939 dans l'entente franco-musulmane de Ferhat Abbas. On voit par ces quelques faits les multiples liens. Un article dans l'entente franco-musulmane, ça veut dire de multiples liens que Camus entretient dès ce moment-là. Alors vous allez me dire, ben oui, mais Camus quitte l'Algérie en 1940, presque définitivement. Oui, mais justement, ce que je voudrais maintenant regarder, c'est les liens que Camus maintient avec l'Algérie au moment où il vit en métropole. Là encore, quelques faits. En avril-mai 1945, il est rédacteur en chef de Combat, le journal de la Résistance, et il a fait partie de Combat clandestin depuis fin 1943. Pour une série d'articles pour Combat, il retourne dans une enquête de terrain dans le Constantinois, juste avant les émeutes. Il y est en avril-mai. Et donc, quand éclatent les émeutes et leur terrible répression, il commente et il condamne très violemment la répression dans les articles de Combat. Et je pense qu'il est très intéressant de relire ces articles qui ont, comme tout ce que Camus a écrit sur l'Algérie, été rassemblés en 1958 par lui-même dans Chroniques algériennes. Et entre autres, je citerai seulement le titre de l'article qu'il écrit le 23 mai 1945, « C'est la justice qui sauvera l'Algérie de la haine ». Il y a donc là un geste très fort de Camus qui a une place, je veux dire, de notoriété. Combat est un journal important en 1945 et il consacre toute la puissance de Combat et des éditoriaux qu'il y écrit très régulièrement à dénoncer ce qui se passe en Algérie. Il y retourne en Algérie tous les ans, à peu près, pour voir sa mère, qui refuse absolument de venir s'installer en métropole. Et il en profite, et ses carnets sont extrêmement parlants à cet égard, pour voir des amis avec qui, par ailleurs, il reste en contact étroit. Maintenant que, de plus en plus, la correspondance de Camus commence à être connue, on peut la consulter, même si elle n'est pas, si elle est encore à peine éditée, on sait combien il reste en contact épistolaire avec ses amis d'Algérie, européens et musulmans. Il les rencontre, il les aide. Je vais prendre trois exemples. Aziz Kessous, qui était rédacteur en chef de l'entente franco-musulmane, nous revenons à ce journal de Ferhat Abbas, et qui était très proche de Ben Jelloun, entretient à partir de 1945 une correspondance suivie avec Camus. Ils se sont connus au moment où Camus était à Alger Républicain et où Aziz Kessous était lui-même à Oran Républicain. Et cette correspondance suivie lui permet de venir en aide, j'allais dire, mais quelquefois des aides extrêmement matérielles, hein, à Aziz Kessous, et de lui donner un soutien affiché quand
Kessous lance son journal Communauté algérienne d'inspiration nettement libérale. En première page, on a un article de Maurice Violette, on a un article de Ben Jelloul et un article d'Albert Camus, lettre à un militant algérien, donc dans le, en une du numéro 1 de Communauté algérienne le 1er octobre 1955. Cette lettre à un militant algérien sera elle aussi reprise dans Chronique algérienne comme le témoin d'une posture qui est essentielle pour Camus, à savoir le soutien des libéraux musulmans en Algérie. Prenons, si vous le voulez, aussi l'exemple d'Emmanuel Robles. Camus et lui sont de proches amis depuis les années 30. C'est d'ailleurs Robles qui présidera à la séance du 22 janvier 1956. Et il se définit lui-même comme libéral, à la fois très critique face aux attentats terroristes du FLN et en même temps très proche d'indépendantistes. J'insisterai davantage sur les liens que Camus entretient avec Charles Poncé, au point, et c'est Poncé lui-même qui cite les lettres, que Camus demande à Charles Poncé à l'automne 1955 une sorte de chronique qui alimenterait la réflexion de Camus sur l'Algérie en vue de ses articles dans l'Express. Et je vous cite les phrases de Camus à Charles Poncé le 25 septembre 1955. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez tous. Je m'en doute, mais je voudrais au moins corriger mes impressions par les vôtres, m'instruire aussi de ce que mon éloignement m'empêche de savoir. Ne pourrais-tu m'aider, sinon en une fois, du moins en plusieurs, m'informer, me mettre en garde, être avec moi enfin ? Tu m'éviteras peut-être de dire des bêtises, et puis aussi je me sentirai plus affermi dans ce que je pourrais dire. » Fin de citation. Mais on en voit que Camus, dont on a dit position pas claire et en même temps incapacité de prendre, de se situer, dont on a dit aussi incapable de bouger, on voit ici à quel point Camus, et il le redira dans l'avant-propos de Chroniques algériennes, « Je peux me tromper sur l'Algérie. Hein? » Et ici, on le voit bien, incertain parce qu'il sait qu'il n'est pas sur place. Et d'ailleurs, Poncé et d'autres ne cachent pas que parfois ils trouvent que Camus n'est pas assez conscient de la violence des positions en Algérie même. Alors, venons-en à l'appel pour une trêve civile. D'abord, quelques certitudes. Camus y va par devoir et par fidélité. Il ne se précipite pas pour y aller sur le thème « Vous allez voir ce que vous allez voir hein ». Il redoute, même par certains aspects, cette plongée. Et surtout, il craint qu'une démonstration comme celle-là, une manifestation comme celle-là, déchaîne encore plus de violence. Et ce, d'autant plus qu'il arrive, bien sûr, quelques jours avant à Alger, et que la veille de l'appel qu'il doit prononcer, il assiste incognito à une réunion qui est dominée par des militants indépendantistes. Et il se rend compte à ce moment-là de la violence des positions et il se dit que cette violence va se transporter et peut-être devenir dangereuse au moment de l'appel. Pourtant, en même temps, dans ses carnets, il dit qu'il est heureux d'être là parce qu'au moins il est directement au contact de la situation et qu'il n'est plus de ces intellectuels qui écrivent dans le calme de leur bureau. Et donc, il y a à la fois une exaltation et une crainte dont alors tous les témoins, que tous les témoins affirment. Alors, les difficultés préalables sont immenses. Une salle était prêtée par Jacques Chevalier à l'Hôtel de Ville et ce choix... la salle n'est plus donnée parce qu'on craint justement des troubles. Et les organisateurs se rabattent sur le Cercle du Progrès, salle qui a été fondée par l'Association des Oulémas, sur la place du gouvernement en bordure de la Casbah. Ce qui situe déjà autrement, ne serait-ce que par le lieu géographique, cette manifestation. On est aussi obligé de refaire des cartons d'invitation car les premiers ont été copiés, ce qui permettrait des infiltrations d'éléments hostiles. Autrement dit, Camus prend conscience qu'un certain nombre de gens veulent saboter cette réunion. Et ces craintes de manifestations violentes en sont encore aggravées. Et pourtant, autour de lui, tout un groupe se dépense sans compter. Je citerai
les petites mains de ces événements-là, et Dieu sait combien elles comptent, Evelyne Chauvin, René Saint-Ès, et il y en a beaucoup d'autres. Mais enfin, la réunion se tient. Outre Robles, à la table, il y a des représentants des communautés religieuses, Camus l'a souhaité. Le début de la séance est presque heureux, grâce à des scènes de fraternisation qui déchaînent l'enthousiasme. L'arrivée de Ferratabas et l'accolade que se donnent Ferratabas et Camus. On a bien précisé où en était Ferratabas à ce moment-là, mais il a tenu à venir à cette manifestation. Et aussi celui dont on a parlé ce matin, le cher Helogby, qui se fait apporter quasiment sur une civière. Il est vieux, il est malade et il veut être là. Alors il est évident que cela marque comme un symbole d'une fraternité possible, mais la tension monte sans arrêt. Dehors, ce sont des manifestants Algérie française qui scandent des Camus à mort ou des Mendès France à mort. La pression se rapproche de la salle puisqu'il y a même des jets de pierre qui cassent les vitres. Et Camus, à qui on a affirmé, je reviendrai là-dessus bien sûr, que le service d'ordre, qui n'est pas le service de la police, mais dont on saura que c'est le service d'ordre du FLN, Camus se demande si le service d'ordre arrivera à maintenir au moins la sécurité intérieure, mais aussi la sécurité extérieure pour tous ceux, ils sont très nombreux, qui sont venus et qui n'ont pas pu entrer dans la salle. Je connais des gens qui étaient à Alger ce jour-là et qui m'ont dit on a essayé d'y aller, puis on n'a pas pu entrer. Alors, cela oblige d'une part Camus à dire très vite, à lire très vite cet appel qu'il avait rédigé dans les jours précédents. Ça oblige aussi à escamoter les autres prises de parole et les signatures officielles responsables qui devaient venir comme un acte symbolique important signer le papier. Et ça escamote aussi les prises de parole des représentants religieux. Alors, ce contenu, le contenu de la trêve civile, je vais évoquer rapidement, c'est un texte que l'on peut lire très facilement, là aussi bien sûr il a été repris dans Chroniques algériennes, mais quelques points qui m'ont paru importants. Camus situe d'abord ceux qui ont voulu et organisé cet appel de simple humanité, comme il le dit, et il explique bien que ce sont des gens qui divergent sur les buts et les moyens de parvenir à quelque chose en Algérie, au moins à l'arrêt des violences. Mais il le dit, même chez ceux qui ont déjà choisi leur camp, il y a une part qui ne se résigne pas au meurtre et à la haine et qui rêve d'une Algérie heureuse. Et c'est ce pari qu'il fait sur ce rêve d'une Algérie heureuse, même chez ceux qui ont déjà pris une option radicale. Le but, et c'est très clair, c'est d'obtenir que le mouvement arabe et les autorités françaises, sans avoir à entrer en contact ni à s'engager à rien d'autre, déclarent simultanément que pendant toute la durée des troubles, la population civile sera en toute occasion respectée et protégée. Ils le présentent comme un dernier appel à la raison pour éviter que chacun ait la rage au cœur en rejoignant un camp, pour que soient préservées les chances même minimes d'un dialogue futur. Et il insiste sur le fait que si on n'arrive pas à cela, ceux qui pensent qu'on peut faire coexister la présence française et la présence arabe, et que cette coexistence rendra justice aux droits des uns comme des autres, ceux-là auront la bouche fermée. Vous voyez, il plaide pour les libéraux et musulmans et européens. Et il forme enfin le vœu qu'en Algérie puissent vivre des hommes libres, et quelle définition donne-t-il des hommes libres ? Des hommes qui refusent à la fois d'exercer et de subir la terreur. Vous lirez cet appel en entier. Alors, bien sûr, beaucoup de questions. Et une en particulier, à quel moment Camus a-t-il su que Ouzgan et Lebjaoui étaient bien plus que des sympathisants du FLN et que c'est eux qui, pour assurer la sécurité de la manifestation, dont ils espéraient qu'elle pourrait permettre à des libéraux européens de venir encore plus vers les positions du FLN, à quel moment a-t-il su que la sécurité de cette manifestation était assurée par le FLN lui-même ? Et là, les cinq versions divergent. Lebjaoui affirme, et Ouzgan aussi, qu'ils lui ont dit le lendemain,
Poncet dit qu'il s'en doutait la veille. Camus, lui, n'en parle que comme d'un soupçon, d'un doute qu'il aurait eu. Qui dit vrai? Est-ce que quelqu'un lui a dit en face, Ouzgan et Medjaoui en particulier, nous sommes du FLN et nous avons mobilisé le FLN pour la sécurité de cette manifestation? Je crois que nous ne le saurons jamais. Ce qui est sûr, c'est que le FLN était là pour assurer cette sécurité et que, j'allais dire, les manifestants Algérie française ne le savaient pas. L'autre question, c'est dans quelle mesure Camus a pu croire que les autorités à Alger et à Paris allaient prendre en compte cet appel pour une trêve civile. C'est-à-dire, a-t-il pensé, et le groupe qui préparait avec lui, ont-ils pensé que vraiment cela pouvait infléchir des positions? Là aussi, les nuances sont considérables. Je pense qu'il tenait de toute manière, et quand je dis « il », je le mets au pluriel, Camus dit toujours « nous », il ne dit jamais « je », penser que l'impact symbolique serait important pour une prise de conscience d'une sorte de dernière chance en Algérie à une possibilité de dialogue. Alors, les suites de l'appel, et je ne vais pas dire que je commence à conclure, mais c'est presque vrai, disons que le comité pour la trêve civile s'enlise dès le printemps 1956, demande de rendez-vous à Paris et à Alger, qui ne sont pas suivis d'effet, et découragement, avec même chez ceux qui sont en Algérie l'impression que Camus laisse tomber. Alors, je ne pense pas que Camus laisse tomber son souci pour l'Algérie, mais je pense qu'il a perçu que, comme beaucoup de ses prises de parole de l'époque, cela n'a plus d'impact. Et puis, il y a aussi qu'en 1956, il se bat pour les ouvriers hongrois et sur un certain nombre d'autres fronts. Mais sa correspondance indique bien que l'Algérie le met dans un état de désespoir total. Mais je voudrais citer une autre, quelque chose qui se situe dans la suite de la trêve civile. On a parlé de Germaine Tillion, bien sûr pour les centres sociaux. Mais je voudrais évoquer la démarche qu'elle fait en août 1957. Une démarche du même genre auprès de Yassef Saadi, le chef du FLN à Alger. Elle obtient de lui l'arrêt des bombes qui exposent des civils à Alger, en échange d'un arrêt des exécutions de militants à Paris. C'est le gouvernement français qui ne respecte pas cette trêve. Pendant quelques jours, il n'y a pas de bombes à Alger, mais il y a une exécution à Paris et les bombes reprennent. Germaine Tillion raconte très longuement dans une double page de l'Express cette entrevue étonnante avec Yassef Saadi. Camus découpe cette double page et c'est dans le dossier du premier homme. Qu'en aurait-il fait dans la suite? Mais en tout cas, Germaine Tillion vient le voir à l'automne pour lui raconter cette entrevue. Et c'est pour cela que je me permets de situer cette démarche de Germaine Tillion dans le sillage de la trêve civile, parce qu'ils en ont parlé. Et vous le savez par ailleurs, Germaine Tillion comptait beaucoup sur Albert Camus pour obtenir, et elle l'a obtenu à de nombreuses reprises, la grâce de militants du FLN qui avait été arrêté, qui était menacé d'exécution, et elle disait « J'ai toujours le téléphone de Camus dans ma poche, lui, il peut intervenir directement à l'Élysée. » Camus ne s'est jamais vanté de toutes ses interventions, mais on en a de plus en plus de preuves, et elles ont souvent été suivies d'effets positifs, pas toutes, mais souvent. Je dirais donc que la trêve civile, l'appel pour une trêve civile, a eu un grand retentissement symbolique. Il est évident aussi que ça a opéré sur le mouvement des libéraux une sorte d'effet de coalescence, mais que son efficacité réelle a été fort réduite. Pour ma part, je dirais que ce 22 janvier 1956 dit quelque chose d'important sur ces hommes de bonne volonté qu'étaient les libéraux, et elle en est peut-être une des meilleures images. Et elle dit aussi quelque chose sur Albert Camus et sur les liens étroits, réels, concrets qu'il a maintenus toute sa vie, avec, pas simplement l'Algérie, mais les militants algériens, les libéraux algériens, les gens engagés et
en Algérie et dans le territoire algérien, contrairement à ce que l'on a pu dire en lui reprochant d'être loin de l'Algérie pendant la guerre. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Agnès pour cet exposé passionné et passionnant. Je reviens à la proposition que nous avions tout à l'heure. Donc je vais demander à parce que je vois que Augustin a tenu parole, il est là. Je vais demander à Issa de venir, si vous voulez bien, parce qu'on va mettre maintenant en débat les deux tables rondes de début de l'après-midi et de la fin d'après-midi. Comment on va faire pour les places, on va sûrement. Moi, je vais me lever, d'autres aussi. Les plus jeunes vont se lever, voilà. On se lève tous pour Agnès. Je t'en prie. Oui, d'abord à propos de l'exposé sur Jacques Chevalier, un autre épisode qui aurait mérité un arrêt sur image, c'est sa tentative de rencontrer Abane Ramadan, dont il parle lui-même dans Nous les Algériens. Alors c'était juste après l'arrivée, c'était avant le départ de Mendès France du gouvernement Kimolé, où il a demandé un sauf-conduit à Robert Lacoste pour lui permettre d'aller jusqu'au col de Sakamodi, donc à 50 km en allant vers la montagne, où Abane Ramadan lui a proposé de le rencontrer pour les pourparlers secrets avec le gouvernement Kimolé. Or Lacoste lui a refusé. Et lui n'avait pas le quoi. Il a dit, si je me fais coincer par les paras, il a dit, du côté de l'ALN, je n'ai rien à craindre, mais c'est si les paras me coincent sans sauf-conduit, je risque gros. Et Lacoste, conformément à son habitude, n'a pas voulu lui donner de sauf-conduit. Et il avait des contacts indirects avec Abane Ramadan par le biais des centralistes qui avaient rejoint le FLN avant et qui n'étaient pas encore dans la clandestinité, notamment Kiwan, qui partira juste après. Et alors, les contacts dont il était question tout à l'heure, là, chez le Bachaga Boutaleb, l'interlocuteur, c'était Larbi Ben Mehdi. D'accord. Et on est sûr que Abane Ramadan n'a pas été chez le Bachar. Dont on savait la proximité avec Abane Ramadan, bien sûr. Oui. Alors, la question d'ordre général, dans un colloque comme celui-là, on ne peut pas être exhaustif. Mais il y a quand même quelques absents de marque. Je ne sais pas si la nativité en Algérie comptait beaucoup dans la sélection, mais les syndicalistes... J'ai dit ce matin, mais tu n'étais pas encore arrivé, que nous avons la très ferme volonté, à l'automne 2014, parce qu'au printemps 2014, il va se passer des choses en Algérie, donc à l'automne 2014, de faire un colloque du même type en Algérie, avec un maximum d'historiens algériens, bien entendu, et de témoins. Oui, non, mais parmi les gens qu'on peut qualifier de libéraux, avec toutes les guillemets du monde... Il y a Paul-Albert Lantin, qui était un Constantinois, oui, et qui s'était fait remarquer avant la guerre. C'est lui qui était mêlé à l'histoire de votre Gestapo d'Algérie, hein, au moment de l'histoire de l'os. Et lui, il sort du lot, parce que dans son livre, c'est lui qui souligne avec beaucoup d'insistance le rôle des ulamas dans la préparation de ce qu'il appelle la renaissance de la nation algérienne, malgré leur apolitisme et leur... culturalisme. Ensuite, il y a Louis Massignon. Et qui dit Louis Massignon dit Vincent Monteil. Alors, Louis Massignon, d'abord, les libéraux n'étaient pas nécessairement pour l'indépendance. Ils étaient contre la torture, ils étaient pour la justice. Tout l'éventail. Or, Massignon a eu à pâtir de ses positions. Lui, bon, il a organisé des sit-in rive droite. Il a organisé un sit-in place de l'Opéra. Et Lacoste, immédiatement, lui a supprimé la subvention du gouvernement général, qui était alloué à la Revue du Monde Musulman du temps du commandant Le Chatelier pour la Revue des études islamiques. Et Massignon était contre l'indépendance de l'Algérie, mais était anticolonialiste depuis le début, et il était pour l'égalité dans le respect de l'islam, etc. Alors, il y avait un troisième... il y a beaucoup d'oubliés, mais c'est les oubliés... On t'en sort 90, là, dans les... Qui dit minutes, Massignon, dit Monteil aussi. Vincent Monteil, il a joué un rôle au moins aussi important que Germain Tillon dans le cabinet de Soustelle. Bon.
Une dernière remarque à propos des syndicalistes qui ont leur place dans une pareille évocation. Mais tous les syndicats enseignants étaient dans tous les congrès, dans les résolutions, ils étaient résolument hostiles à l'enseignement de la langue arabe dans le primaire en Algérie, au motif que c'est une langue morte, langue étrangère, langue à contenu religieux. Ah, Issa va te répondre là-dessus. Bon. Or, le général de Gaulle, qui n'était pas un libéral, hein, le général de Gaulle a réglé le problème de l'enseignement de l'arabe dans le primaire par une ordonnance datant de septembre 58. Alors que dans le congrès de 58, les syndicats enseignants étaient encore hostiles à l'enseignement de la langue arabe. Donc il y a c'était des gens qui avaient beaucoup de mérite, ils ont pris des risques même de rupture dans leur propre entourage, mais leur engagement connaissait des limites comme celle-là. D'accord, merci de ces précisions. Gilles, on va te répondre. Hein. Gilles. Oui, j'ai réagi un moment à l'exposé de José Alain Fralon, que je remercie pour la richesse de son apport à propos de Jacques Chevalier, sur un point très précis et finalement de un peu de détails. En juin 62, au moment où se négocie entre les gens de l'OAS d'Alger et non pas ceux d'Oran, justement, et ce qui explique bien la suite, notamment 5 juillet, Oran, avec le FLN par l'intermédiaire de l'exécutif provisoire, hein, Salan est déjà arrêté. Il a été arrêté en avril, je crois. Et donc c'est Susini qui. Je me suis trompé. C'est comme j'ai fait des flashbacks. C'est pas grave. C'est juin 61 que Salan rencontre Chevalier. Juin D'accord. 61. Voilà. Ok. Mais en juin 62, il n'est plus dans le coup. Bon, et c'est ainsi que ça se passe. Mais enfin, c'est un point tout à fait de détail et votre apport est vraiment très, très important. Oui, alors, de la difficulté de définir ce que c'est qu'un libéral dans cette période. À plusieurs reprises, la question a affleuré lors de cette journée. Et quand on dit, par exemple, De Gaulle était pas libéral, sauf qu'à partir de 60-61 jusqu'à la fin de la guerre, les libéraux d'Algérie, parmi les Européens d'Algérie, se rallient à cette option de Maître Popy et plein d'autres, à l'option de présenter cette ouverture que présente le général de Gaulle comme sortie de la crise et sortie de la guerre. Bon, donc c'est difficile de classer ou non les forces qui contribuent ou qui peuvent être classées sous l'étiquette de libéral. Et alors je pose la question d'un secteur qu'on n'a pas abordé, mais je comprends qu'on ne l'ait pas abordé, c'est les communistes algériens. Les communistes algériens, appliquer l'étiquette de libéral à quelque chose d'impropre, bien évidemment, mais d'un autre côté, c'était un groupe charnière. On a parlé à plusieurs reprises d'Alger républicain, où ils étaient actifs et importants, ils jouaient un rôle important, Oran républicain aussi, etc. Donc le PCA est interdit en septembre 1955. C'était un groupe où se retrouvait, et c'est peut-être la seule force politique, en dehors de ces quelques revues qui ont été énumérées, évoquées, où il y avait effectivement des gens qui étaient d'origine arabo-musulmane, algérienne, ou d'origine européenne. Bon. Donc c'est aussi un acteur de la période qu'on a évoquée. Je voulais simplement le mentionner, sans faire le reproche de ne pas avoir classé, parce que c'est quand même difficile, à une période qui est celle de la guerre froide, où on se trouve, 56, on l'a rappelé, c'est Budapest, etc. Donc c'est difficile d'appliquer. Donc il y a un parti communiste qui a sans arrêt évolué contre le nationalisme, pour le nationalisme, donc c'est ça. C'est très compliqué. Aussi, ouais. Très compliqué. Mais enfin, il n'est pas le seul à avoir évolué. Bien sûr, bien sûr. Et puis sinon, à propos de Camus, et on a eu aussi un exposé passionnant là sur cette réunion de l'appel pour une trêve civile, 22 janvier 56. Dans le même lieu, je le mentionne au passage, le Cercle du Progrès, où s'était réuni en 1936 le Congrès musulman.
C'est, oui, c'est le même endroit. Oui, oui. Et donc, il n'arrivait pas Camus à organiser dans un autre espace, dans un espace plus officiel de la ville européenne, si je puis dire. Hein, et même Chevalier a pas pu, finalement, a pas pu, parce que, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais probablement, mais parce qu'il ne pouvait pas vraiment soutenir cette initiative. Et finalement, il n'y avait pas dans la société européenne de force organisée capable de le soutenir et de l'encadrer. Il y avait quelques électrons libres, hein, mais il n'y avait pas de service d'ordre, par exemple. Personne n'était en mesure, parmi les Européens, les communistes ne voulaient pas entendre parler de Chevalier, pour lesquels c'était un agent de la CIA, point c'est tout, et des Américains. Et donc c'est un élément du contexte, et puis ils étaient sur une autre stratégie. Donc Camus ne pouvait finalement trouver un soutien, y compris pour le SO et la sécurité de la Réunion, que chez les Algériens, dont il savait ou ne savait pas, ou se doutait que, mais de fait, il s'agit donc, comme vous l'avez dit, du service d'ordre assuré par le FLN. Et je voulais juste terminer en mentionnant un événement qui me semble important. On a parlé de Germaine Tillon et de l'appel à la trêve civile qui fait écho en 57, si je puis dire, qui fait écho à l'appel de Camus en janvier 56. À ce moment-là, il y a un événement aussi qu'il faut bien restituer. Vous avez mentionné ce refus de l'arrêt des exécutions capitales, qui est un élément de l'engrenage, qui explique l'engrenage. Mais il y a un autre événement, c'est l'attentat du 10-11 août dans la Casbah, qui est un attentat organisé par des polices parallèles. Alors, est-ce que le SDEC, est-ce que des gens des mêmes services qui avaient sévi dans d'autres occasions au Maroc, en Tunisie et déjà en Algérie sont impliqués? On a parlé d'Akhiari, mais en tout cas c'est un élément très déclencheur de cette escalade meurtrière et qui explique la bataille d'Alger, et où il n'est pas exclu que même un service officiel comme le SDEC ait été impliqué. Bien, on ne te demandera pas d'où tu tiens cette information. Michel Lambard. Après, on reprendra une série de questions. Merci. Donc là, tu es pleinement légitime pour la question de ce matin. J'étais en avance ce matin, mais maintenant je suis bien. Yalla Yassidi. Oui, il y a une journée qui me paraît, un moment qui me paraît important dans les occasions ratées en Algérie, c'est 1930. 1930, les Algériens ont reçu la commémoration du centenaire de l'Algérie française comme un camouflet. Ça a été des Marseillaises, des flonflons, des grandes fêtes militaires. Il voyait un nouveau débarquement à Sidi Ferruche. Ce matin, Jean Méliat a été évoqué par... qui est-ce qui nous a parlé de Jean Méliat ? C'est Christian Féline qui nous a parlé de Jean Méliat, l'écrivain journaliste, qui dit on n'a jamais vu en Algérie autant de fantasia, de fêtes folkloriques, mais le temps de l'orientalisme est dépassé, il y a d'autres problèmes en Algérie. Et je crois que tout à l'heure, Aïssa Kadri nous a magnifiquement parlé du rôle des enseignants et de ce bulletin qu'ils ont porté pendant plus d'un quart de siècle, La Voix des Humbles. Et à l'occasion d'une conférence que j'ai donnée dans le cadre de notre association au mois de décembre sur La Voix des Humbles, et que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le bulletin le lien de notre association, j'ai lu un nombre d'articles considérables sur la désolation de ces enseignants à propos de ce centenaire de l'Algérie française. Ils disent, mais on attendait de la France, au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, on attendait autre chose, on attendait d'être reconnu, d'être des hommes. Je pense que vous avez lu tous ces articles de la Voix des Humbles, et ils se sentent français, mais français à part entière, donc, alors qu'il reste des sous-hommes, il reste les indigènes. Hein. Donc, je crois que... les historiens pourraient en parler
mieux que moi peut-être, pourquoi a-t-on manqué ce centenaire? On en a fait une nouvelle conquête alors qu'il fallait montrer ce qu'on pouvait faire avec les Algériens à l'occasion de ce centenaire. Mais je remercie vraiment Issa Kadri pour son intervention parce que les Fassis, les Tarles et les Chani ont fait un travail admirable. Puis merci aussi d'avoir terminé par un hommage aux 6 inspecteurs de Château-Royal. Merci. Merci. Alors, la première question, c'était sur Jacques Chevalier. Tu veux bien... Oui, je suis d'accord avec vous. C'est que ce qui est important, c'est qu'Aban Ramdam lui-même ait voulu rencontrer Chevalier. Et là, la rencontre entre Chevalier et Lacoste a été homérique, puisque Lacoste dit « Oui, c'est très intéressant », et Chevalier lui dit « Mais donnez-moi un laissez-passer, je ne vais pas y aller comme ça ». Et Lacoste dit « Non, je ne vais pas mouiller, vous rendez compte avec Paris, etc. » Et c'est une occasion ratée. C'est très important qu'Aman Ramdam ait voulu rencontrer Chevalier. Bien, Aïssa, tu as été cité à plusieurs reprises. Tu veux intervenir sur les enseignants? Non? Oui? Ça me paraît bien. Oui. Attention que le micro ne lui tombe pas sur le pied, parce que c'est lourd. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'école française en Algérie, la formation, la formation des enseignants, la place de la Bouzaréa dans la production de ces instituteurs, et puis la question qui a été posée sur la langue arabe. Pour me résumer, disons très rapidement, souvent pour parler de l'œuvre française en Algérie, on parle de l'école et on dit finalement l'école a été une réussite du point de vue de cette œuvre ou de cette politique française en Algérie. En réalité, je crois qu'il faut revenir aux choses de manière crue et ne serait-ce que du point de vue des statistiques. On a en 54 à peine moins de 10%, voire 10% d'une classe d'âge qui est scolarisée dans l'école française en Algérie. C'est-à-dire plus de 90% des enfants ne sont pas dans l'école. Le processus donc d'imposition du système français, du modèle scolaire français à l'Algérie, a été extrêmement contradictoire. Un collègue, Djerloul, l'avait résumé dans cette idée que le fait est que, disons, scolariser, c'est assimiler, c'est éduquer, c'est acculturer, mais c'est en même temps éveiller les consciences et remettre en cause le rapport colonial. Et toute cette contradiction l'a traversée, disons, la politique scolaire coloniale. Alors, du point de vue de ce qu'on formait comme élite, en gros, et je vais vite, on a formé 2 types d'élites. Ça va me faire revenir à la question de la langue arabe. C'est qu'on a formé donc une élite d'instituteurs, c'est-à-dire de gens acculturés, assimilés, vous avez dit sans français, mais étaient en contradiction par rapport aux valeurs qui leur étaient diffusées et les valeurs qu'ils portaient eux-mêmes, c'est-à-dire la France des droits de l'homme, la France de 1789, mais ils vivaient la société coloniale, et ça on le trouve dans tous leurs écrits, dans tous leurs travaux. Donc ces élites étaient des élites de démonstration par rapport à la société coloniale, c'est-à-dire voilà ce qu'on peut faire des meilleurs et des élus. Mais d'un autre côté, il y avait un autre type d'élite qui était l'élite de différenciation, c'était les médersiens. On a parlé tout à l'heure des médersas, et on a formé des gens qui allaient parler au nom de la société coloniale, au nom du pouvoir colonial, dans les codes et les règles, et la langue de la société locale. Et on a formé des Adel, des Bachaqa, des Lel, des Qavid, etc., par les médersas. Alors, sur la langue arabe, effectivement, les syndicats, on peut dire, les syndicats ont posé la question de la langue arabe. Ils l'ont posé à partir des années 40. Ils ont demandé, mais ils n'ont pas été suivis. Et on voit une exception en France, dans la politique française, dans la politique coloniale française, de rapports différenciés entre ce qui se passe en Tunisie 1881, protectorale, Maroc 1912 et l'Algérie. La langue arabe a été combattue en Algérie. Même ce matin, on a parlé, je crois que c'était Gilbert Grand-Guillaume, des demandes de Rahal. Rahal demande qu'on enseigne la langue arabe. C'est une forte demande aux autorités coloniales qui ne suivent pas. Et l'enseignement coranique et l'enseignement donc dans les zaouias et dans l'enseignement de la langue arabe a été fortement combattu jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est à partir de 1944 et de 1945
qu'on revient, et notamment les instituteurs, le SNI a posé la question de la langue arabe, il l'a posée, il l'a défendue. Il a été mis en place hein, le lycée franco-musulman, les lycées franco-musulmans, dans le lycée qui a formé des élites, le lycée de Ben Aknoun. Je vais terminer. Non, mais je voulais approuver ce que sur le lycée franco-musulman est très important. Oui, c'est important, qui a formé une élite bilingue. Et tout à l'heure, on parlait aussi d'hommes, donc de libéraux. Il y a eu un agrégé d'arabe qui était le professeur Hesh Seddok, qui a été professeur au lycée du Verrier, enfin au collège colonial du Verrier, qui a eu les nationalistes algériens comme élèves, Abben Ramdan, Saad Dahleb, Ben Khadda, ils ont été tous ses élèves, Yazid, et qui lui a été à la base donc de la mise en place du lycée franco-musulman, mais ce lycée a été quelque chose d'emblématique, mais qui a fermé très vite après l'indépendance, et ça a été un des échecs aussi de l'Algérie indépendante de ne pas développer ce bilinguisme qui était un bilinguisme de fait dans la société. Voilà, pour aller vite, l'arabe a été effectivement combattu par les politiques coloniales, mais à partir des années 40, on a essayé, les syndicats l'ont posé, moi j'ai discuté avec Louis Rigaud, ils l'ont mis même comme objectif hein, de point de vue de leur action syndicale. Alors, je voulais dire, sur le SNI, il y avait à peu près 12 000 syndiqués dans les années 50, hein, dans 5 à 10% de musulmans hein, dans le SNI Algérie. Alors, tout à l'heure, j'avais été... donc, je ne peux pas revenir sur la voie des humbles. Effectivement, il y a le travail de Fanny Colonna, il y a ce que vous avez fait. Mais simplement, je souhaitais revenir sur les deux itinéraires dont on a parlé, qui était celui de Charlie Koenig, instituteur, hein, qui a été donc membre de l'exécutif provisoire, qui a préparé la rentrée scolaire de 62. Il a été voir Bembella à Tlemcen et Boumediene. Il leur a demandé des moyens pour. Et Bembella l'a tout à fait soutenu dans l'organisation de cette rentrée scolaire de 62. Charlie Koenig, qui va être donc député, qui va rester en Algérie. À un moment, il démissionne donc de l'Assemblée. Il devient directeur du collège Montrion à Alger. Hein, et finalement, il vient en France à partir de 67. Louis Rigaud aussi, qui est resté, qui était... Georges me le rappelait tout à l'heure, qui a été secrétaire de l'APIFA, c'est-à-dire l'Association professionnelle des instituteurs français en Algérie, après 62. Hein, il est resté, c'est un pied noir, né à Dupéré, hein, de Indefla, qui est resté donc jusqu'après. Il y en a eu, comme je le disais tout à l'heure, une dizaine de milliers qui étaient pieds noirs, qui sont restés hein, en Algérie, enseignés en Algérie, après 62. Merci beaucoup, Aïssa. Oui, allez, on y va. Tu veux nous repasser le micro ? Non, un micro, c'est plus commode. Voilà. Merci. Un mot sur le centenaire de 1930, parce que j'ai eu la chance de traduire le travail d'un ami allemand qui travaille sur ces questions, Jan Janssen, qui travaille sur la scène commémorative dans l'Algérie, la scène commémorative républicaine dans l'Algérie coloniale, et donc qui a travaillé sur les fêtes du centenaire. Alors il y a le centenaire de 1930, mais qui inaugure en fait toute une série de centenaires dans la décennie 1930, puisque on va aussi faire un centenaire pour la prise de Constantine. Enfin, dans chaque ville d'Algérie, on retrouve des célébrations. Et donc lui avait montré, enfin je suis sans doute assez peu fidèle, mais et ça peut peut-être aider à comprendre ce dont vous parliez. Il y a vraiment il montre en fait comment ce centenaire est l'aboutissement de la transformation des commémorations publiques de la colonisation, enfin le passage d'une commémoration militaire à une commémoration de la mission civilisatrice. Donc ça s'est engagé dans les années 20, mais les centenaires de 1930 sont vraiment marqués par le discours sur la mission civilisatrice, et il montre que c'est notamment il y a différents enjeux, mais un des enjeux c'est que c'est celui des réformes justement,
Et c'est ce discours sur la mission civilisatrice est repris par des partisans de réforme, par des gens qui voudraient prendre le prétexte de ce centenaire pour appuyer les demandes d'amélioration de la condition des indigènes. Et donc c'est peut-être le cas des acteurs dont vous parliez. Et ce qui montrait aussi, c'est l'intervention croissante d'acteurs algériens dans ces célébrations du centenaire par rapport aux célébrations républicaines précédentes. Par la collaboration, si je puis utiliser ce mot un peu chargé de sens, avec les autorités administratives, mais aussi par une appropriation subversive de ces célébrations du centenaire par les mouvements d'opposition, et qui donc, soit par le boycott, soit par le détournement des manifestations, essayent de faire de cette scène commémorative aussi une scène des revendications politiques contestataires. Je voudrais ajouter une ou deux choses. Donc une troisième, une deuxième et dernière. Mais vraiment très rapidement sur la question du centenaire. Bon, évidemment, c'est un tournant, mais vous savez que la route de la relation franco-algérienne est pleine de virages tout au long de cette histoire-là. On pense aux élus, on pense aux oulémas, etc. Je voudrais simplement dire une chose sur 30 qui va dans votre sens. C'est aussi la publication de L'Algérie vivra-t-elle de Violette, et qui est un livre fondamental que les Algériens réformistes de l'époque ont lu et quasi appris par cœur. Je pense en particulier à Kessous, dont on parlait tout à l'heure, qui en a fait un compte-rendu très fidèle dans son ouvrage de 35 qui s'appelle « Le malaise algérien », qui est le programme des élus et des oulémas, hein, pour être très clair. Puis, je pense à une autre chose, je rebondis un peu sur ce qu'on a dit à propos des instituteurs. Moi, il m'est arrivé d'enquêter dans les archives de la franc-maçonnerie en Algérie. Et il se trouve que le grand congrès maçonnique maghrébin, donc Algérie, Tunisie, Maroc, se tient à Alger en 1930 à l'occasion des fêtes du centenaire, et que ce congrès est ouvert par un des doyens qui se trouve être un instituteur en exercice. Et que cet instituteur en exercice, il commence son discours pour dire jusqu'où la folie peut-être du centenaire peut aller. Il commence son discours en expliquant à quel point les Français d'Algérie sont redevables à Charles Martel d'avoir arrêté les Arabes à Poitiers. Voilà, simplement pour l'anecdote. Voilà où on peut en être. Et je vous renvoie à la pièce Folie coloniale, qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années en France et en Algérie, qui montre très bien la folie des grandeurs qui a pu prendre le colonialisme à ce moment-là. Voilà. Ok, merci. Alors, vraiment, il faut qu'on passe... On va prendre 3 questions. Et en passant ensuite, il faut qu'on passe à la conclusion et qu'on libère la salle. On me fait des signes désespérés là-bas au fond. Alors, vas-y. Oui, bonsoir. Merci pour le colloque et les contributions des uns et des autres. Juste quelques remarques rapides. J'ai beaucoup aimé l'exposé d'Agnès Spiekel sur Albert Camus, son parcours. Je l'ai déjà entendu ailleurs, autrement. Et puis j'ai vu pas mal de contributions. Je suis toujours frappé que dans ces contributions, on essaie de réhabiliter l'histoire autrement. Il y a toujours cette tentation idéologique de justifier l'injustifiable, malgré la bonne tenue des propos universitaires. Parce que quand même le colonialisme qui a été vécu en Algérie, j'ai entendu même quelqu'un en parlant comme ça, il parle des Algériens en 1930. En 1930, les Algériens n'étaient pas Algériens, ils étaient indigènes. Ils étaient pratiquement inexistants. On décidait à leur place. Donc je pense que l'histoire de l'Algérie aussi est d'expliquer comment des gens qui ont côtoyé Albert Camus, comme Kateb Yassine et d'autres au sein d'Algérie républicaine, qui l'ont amené en Kabylie pour faire les enquêtes, etc. Cette surdité vis-à-vis de cette violence, vis-à-vis de cette réalité, les positions des socialistes pour les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire ces choses-là, il faudrait peut-être les remettre dans leur contexte,
qui ont, et je ne crois pas, pourquoi je fais ces remarques, c'est uniquement pour, je ne crois pas ce mot des occasions ratées. Il n'y a eu jamais d'occasions ratées. Il y a eu deux conceptions. Ceux qui voulaient absolument coloniser l'Algérie, quoi qu'il en coûte, pour dire, et le propos sur la franc-maçonnerie explique, justifie amplement mes propos. Mais je crois que la conception réelle qu'on est arrivé finalement à la lutte armée, que comme seule solution pour libérer l'Algérie, montre à quel point qu'il n'y a pas eu d'occasion ratée, mais simplement une tentation de vouloir, comment dirais-je, une tentation de vouloir remettre l'Algérie sur un autre. C'est le plan de Constantine. Hein, pourquoi je parle de ça? C'est le plan de Constantine. On a essayé d'essayer de reprendre les choses. Et y compris aujourd'hui en 2013, dans les conceptions idéologiques, on essaie d'expliquer cette idéologie coloniale d'une manière sournoise. Donc, merci pour ce colloque, mais c'est très important d'essayer aussi d'expliquer pourquoi un exemple comme Albert Camus, qui était un intellectuel assez dense, assez intelligent. Aujourd'hui, on essaie de le réhabiliter. Plutôt. Pardon ? Plutôt. Voilà. Comment se fait-il qu'il n'avait pas compris son propre pays ? Bien. J'ai une simple remarque. Hein. Depuis ce matin, tu aurais été content parce qu'on a le colonialisme, il en a pris plein la gueule. Hein. Donc, crois-moi qu'on n'a pas oublié de le condamner. Oui. Alors, Stanislas Gall, mais pas une conférence, hein, s'il vous plaît. Non, deux minutes. Voilà. Alors, je voudrais parler d'un libéral que j'ai découvert, un libéral algérien. Il va nous faire une conférence. Qui s'appelle Nahani Kouriba, qui est originaire d'Ouled Djellal et qui a une histoire passionnante que je ne peux pas vous raconter parce que ça serait trop long. Il était fils d'un marchand de dattes. Il a fait des études de philosophie. Il a été un des premiers docteurs de philosophie algérien, en philosophie algérienne. Et il a écrit un bouquin qui est passionnant. Il l'a écrit en 1956. Ça s'appelle « Des Africains s'interrogent ». Et on voit toute l'interrogation que pouvait se poser la partie algérienne des libéraux. Voilà, c'est tout ce que okay. Je... Et je connais sa famille, parce que je suis retourné là-bas, dans la région de Biskra. Et il a une de ses nièces qui est professeure de français, alors que son père était instituteur et a été mis en camp d'internement. Voilà. Bien, merci. Non, on va arrêter là maintenant, parce que sinon on va nous mettre dehors. Alors je vais demander à toute cette noble assemblée de nous laisser un peu de place, au moins une place, pour Denise Brahimi, qui va avoir la rude tâche. Elle va aller vite, elle est claire, elle est concise, elle est rapide, pour nous tirer et tenter de tirer un peu les conclusions de cette journée assez extraordinaire.